mon cher peuple. Onowu, bonjour. Salut Onowu, merci, Onowu. Vous êtes les bienvenus. Et je vous ai appelé ici pour vous informer que nous avions eu une réunion très tôt ce matin. Et nous sommes arrivés à la conclusion que c'est maintenant au tour de la famille de Ikeji Deze de produire notre prochain roi. Alors c'est vous, bien sûr. C'est maintenant votre tour de produire un roi. Et je suis en train de vous informer, bien sûr. On ne sait jamais. C'est aussi de rigueur dans notre tradition que le premier fils aura le droit de refuser cela. Alors, par cette information, je veux que nous tous sachions que cela est maintenant ouvert. Hein? Ah, bien. Alors, que penses-tu de tout ça? C'est tout ce que je te disais. Exact, en tant que le premier fils, tu as le droit de faire un refus. Onowu. Oui. J'ai quelque chose à dire. Oui, vas-y, parle. Il y a tellement une chose qui me préoccupe en ce moment. Et j'aimerais que qu'est-ce vous le sachiez. C'est? Nous t'écoutons. Je suis au courant de la tradition. La tradition de notre peuple. Mais s'il vous plaît, avant toute personne, un homme qui veut régner comme un roi, cette personne doit être de la famille. Je ne sais pas, est-ce oui, vrai bien ou sûr. Pas? Bien sûr que c'est vrai. C'est oui, notre tradition. Ça, oui. C'est pas c'est fini. Vrai. N'as-tu pas fini? Alors, si c'est le cas, mm-hmm. mes frères qui sont ici, ils ne devraient pas être cités dans cette discussion. Hein? Parce que partant de la tradition, ils ne peuvent pas être de roi. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Je ne sais pas, je n'ai encore rien dit. En fait, j'essaie juste d'expliquer. Non, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Amobi. Comment peux-tu dire une telle chose? Et jusque-là, je n'ai rien dit. Non, rien. Amobi, arrête de faire semblant. Arrête un peu de jouer les farceurs. Tchaï. Hey, n'ai-je pas un enfant, garçon? Eh ouais! Je juste essayé d'expliquer, je n'ai encore rien dit jusque-là. Ebe. Ai-je mal fait? Eh ben où? Mes frères, je n'ai rien dit du tout. Alors, mon frère, je suis en fait venu découvrir pourquoi tu devais partir comme tu es parti là. Après tout, nous sommes tous là venus parce que toi tu étais là. Mais toi, qui est notre grand frère, tu décides de t'en aller comme ça. Tu es parti sans rien nous dire. Tu es parti juste comme ça. Est-ce normal? Ton propre petit frère. Au bout des nez, mon frère, si tu étais à ma place, tu aurais fait exactement ce que j'ai fait. Vois la façon dont Amobi était en train de me balancer par-ci et par-là. Mais je n'ai rien vu de mal dans ce qu'il a dit, oh. Il n'a dit que la vérité. Vraiment? La vérité? Oui. Sans compter le fait qu'il était vraiment très heureux. Que je n'avais pas un enfant garçon. Non, mon frère, non. Non, je ne l'ai pas vu dans cet angle-là. Dans ce qu'il a dit, il ne faisait que rappeler à Onowu ce qu'il a sûrement dû oublier. C'est comme ça que je l'ai moi-même compris, voilà. Non. Ce n'est pas du tout ce que tu as vu là. Mais ok. Comment est-ce que mon propre frère peut se mettre à dire que je ne devrais pas même être mentionné partout où il y a une discussion concernant le choix d'un roi? Exact. Dans ce cas, il a tort. De quoi sommes-nous en train de parler? Hein? Si tu étais à ma place, tu aurais fait la même chose. Je veux dire, tu serais parti. Oui, tu as raison. Mon frère,
tu as vraiment raison. C'est pourquoi je suis parti. Oui, tu as raison. Je le condamne. Il a tort. Toi, tu as raison. Mmh. Ah, ah. Chinois, pourquoi es-tu énervé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas celui-là qui se fait passer pour mon frère? Amobi ou Okodile? Amobi. Ah, qui d'autre? Qu'a-t-il fait cette fois-ci? Qu'a-t-il fait? Nous étions demandés par Ono. Tous les trois que nous sommes. Ok. Quand nous sommes arrivés là, Ono nous a informé que le conseil des anciens avait décidé que la royauté sera assignée à notre famille. C'est oui. Notre tour de produire le prochain roi. Ok. Il est allé plus loin pour nous dire que, puisque je suis le premier-né de la famille, il m'est donné ce droit de refus direct et incontestable. Après ça. Hey! Amobi a attaqué. Ah, ah, il a ouvert la bouche. Patapatapé. Et il ne s'est même pas calmé. Et a commencé à se moquer de moi. Ah ah. Pourquoi l'a-t-il fait? Je n'ai pas d'enfant, garçon. Oh oh. Je n'ai pas d'enfant, garçon. Mais je sais que la royauté n'est pas héréditaire, alors... Pourquoi insiste-t-il sur le fait que tu dois avoir un garçon avant d'accéder au trône? Eh bien, cela est la tradition. Ah, exact. Non. La tradition dans notre communauté ici. Si tu n'as pas un enfant garçon, alors tu ne mérites pas la royauté. Et dans ce cas, laisse ça pour eux. Nous n'en avons pas besoin. Concentrons-nous dans notre famille et laisse ça. Le soleil n'arrêtera pas d'apparaître juste parce que tu ne seras pas roi. Laisse l'air la royauté. Concentre-toi plutôt à la famille. Qu'est-ce que c'est? Laisse-le et reste dans ton coin. Moussoubou Diaba. Exact. Ah. J'ai un problème là. J'ai un problème ici. Comment? Écoute pas très bien. Écoute. Amobi, mon petit frère direct. Il est corrompu. Vraiment, vraiment corrompu. S'il devient roi, Amobi nous vendra tous autant que nous sommes. Celui qu'on appelle Okodele, il est faible. Très faible pour faire de lui un roi. Il n'a même pas la tête pour tout ceci. Il est facile à convaincre par n'importe quelle opinion. C'est très dangereux de faire d'une telle personne un roi. Et là, il ne reste que moi. Alors, j'ai besoin d'un enfant garçon. Tu parles comme si c'est moi qui produisais des enfants. Je ne comprends pas. Je ne fais qu'accoucher ce que tu me donnes. Où est ma faute? Tu sais comment ça se passe? Tu me donnes et après quelques mois, je le fais sortir. Obiageli? Non. Obiageli? Ne t'énerve pas, c'est pas moi qui t'ai rendu dans cet état. Laisse-moi t'apporter de l'eau. Je peux voir que tu es très fâché. Nao, laisse-moi partir, hein? En tout cas, désolé. Je n'y suis pour rien. Ah ah! Moi aussi, je veux des petits garçons, c'est juste que tu ne m'en donnes pas. C'est pas de ma faute. Mon frère. Oui, mon frère. Je m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas pourquoi frère Chinois est en colère contre moi. Hein? Si Ono ne dit rien à propos de ça, mais pourquoi il est en colère? Écoute, tu as vraiment raison. C'est toi qui as vraiment raison. Il a tort.
En fait, c'est exactement ce que je lui ai dit quand je suis allé chez lui pour le voir autrefois. Je l'ai fait comprendre que tu n'avais vraiment rien dit de mal du tout. Hein? Mais lui n'arrive pas à le voir comme ça. Et par là, je dis qu'il a vraiment, vraiment tort. Peut-être il est en colère parce que j'avais dit la vérité. Mais le problème est qu'il ne peut pas être roi. Ce n'est pas mon souhait. C'est juste que c'est la position de notre tradition. Si tu n'as pas un fils, tu ne peux pas être un roi. C'est vraiment ça. C'est tellement évident. Hein? Pourquoi il est en colère? Écoute, ne te dérange même pas. Il a vraiment tort. Et je suis sûr que dès ce soir, quand il va se coucher et se réveiller le matin, il va finalement réaliser que toi, tu as raison et que lui, il a tort. Mais écoute, parfois, je suis en train de penser. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si ce n'est pas bon, dis-le-moi. Tu sais que tu es mon frère. Je veux que nous partions chez Onou. Lui dire que dans notre famille, nous devons choisir une personne qui va nous représenter et qui sera choisie comme notre roi. Exactement. Vraiment? Non, tu as vraiment raison. Je vais aller avec toi. Ogudere. Tu as toujours raison. Hein? Tu vois, quand je serai le roi, toutes les terres que nous connaissons seront pratiquement nos terres. Moi, je veux seulement les coins du marché là-bas. Tu peux les prendre. Hein? Toutes les femmes, toutes les belles femmes que tu verras, je veux celle-ci, je veux celle-là, elles deviennent automatiquement à toi. Hey! Dans ce cas, je me marie immédiatement dès que tu vas devenir le roi. Tu n'auras même pas le temps de la draguer. Je te le donne en avance déjà. Hey! N'importe quelle laquelle. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ah, dans ce toutes cas, je vais déjà chercher même 5 filles déjà. Parce que je serai. C'est toi le roi. Qu'est-ce que tu fais là? Papa, pourquoi tu as dit à Oko ce que tu lui as dit? Tout en sachant très bien que tu ne vas pas accomplir ta promesse. Oh. Oh gars, écoute fils, ça s'appelle une pratique. Non, ça s'appelle mensonge. Papa, c'est du mensonge. Laisse-moi te dire, fils. La politique, c'est du mensonge. Tout à fait. Sans le mensonge, ce n'est plus la politique. Tu es vraiment ce que je pense. Quoi? Je suis bien habillé, c'est ça? Et je pense vraiment dans mon cœur que tu ne seras jamais un roi. Quoi? Oui. Mon fils, c'est ce que tu me dis vraiment? Es-tu malade? Quoi? Je suis un roi. Il a le choix. Aïe, que je te sers à manger. À manger? Oui. Je n'ai pas faim, malheureusement. Je n'ai pas besoin de manger. Si tu savais que tu n'allais pas manger, alors pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Je n'allais pas m'époumoner dans la cuisine pour faire tous ces repas. Tu aurais dû me les dire depuis et je n'allais pas me tracasser. Chère femme, s'il te plaît. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Jim, tu es dérangé juste parce que tu ne peux pas devenir roi de tes royaumes. Ils se sont décidés qu'ils ne peuvent pas te donner cette place parce que tu n'as pas un petit garçon. Alors pourquoi ne pas leur laisser cette royauté et te concentrer sur ta famille, c'est tout. Peut-être que tu n'es pas destiné pour devenir roi. Pourquoi tu ne comprends pas cela? Femme, es-tu au courant que tu es en train de déranger ma paix? C'est pas moi qui dérange ta paix. C'est tes ambitions qui te dérangent. Débarrasse-toi de ça pour que tu puisses avoir la paix. Je me suis poumonée pour faire la cuisine et maintenant je me dis que tu ne veux pas manger juste parce que tu penses à quelque chose qui n'était pas destiné. Prochainement, informe-moi pour que je ne puisse pas me fatiguer en vain.
Si tu m'avais dit que tu n'allais pas manger, je n'allais pas perdre mon temps dans la cuisine. Onowu. Ah, Onowu. Mes chers amis. Bonjour, Onowu. Onowu. C'est bon de voir. L'explication. Je te salue beaucoup. Aussi. Onowu. Ah, heureusement que vous m'avez trouvé ici. Vraiment. La nourriture. Hey. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Onowu. Nous sommes venus pour la discussion qu'on a eue la fois passée. C'est ça. Ok, la discussion que nous avions eue hier. Oui, j'aimerais juste vous dire qu'on a eu la réunion familiale. Oui. Et on s'est mis d'accord que moi, je serai le roi. C'est ce qu'on a décidé. Nous sommes venus vous dire que c'est moi qui vais se présenter pour le trône. Et finalement, il va représenter notre famille. Intéressant. Oui. Alors, où se trouve Chino? Oui, Chino, parce que c'est lui qui est censé conduire toute cette délégation. Il est une personne idéale. Vraiment, il doit être dans sa maison. Il est au shop, au marché là-bas. Il est vraiment occupé. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il est au shop là-bas. Êtes-vous sûr de l'avoir informé? Ah oui, ah oui, la famille s'était déjà réunie. On l'a informé, fait tout ce qu'il fallait faire. Et c'est lui qu'on a qualifié. Très bien. En réalité... Oh non, tu sais comment ce que c'est. Tu sais très bien qu'ils n'ont pas d'enfants. Et notre traduction n'accepte pas cela. Exact. Pour devenir un roi. Bon, lui aussi, il voulait aussi devenir roi. Mais vous comprenez, pour ce qu'on a dit, il s'est un peu... Et c'est seulement à cause de ça, vous voyez. Alors, ne le blâmez pas. Malgré cela, j'insiste quand même sur le fait que Chino Zada fait partie de votre déplacement. C'est pas mal que vous soyez venu ici, mais... C'est juste parce que la tradition, c'est la tradition. Exact. Il devrait être ici, en personne, pour dire ces choses que nous sommes en train de dire. Avant que je l'accepte. Onowu, attends. Et ça veut dire que si tu ne pouvais pas venir pour confirmer ce que je viens de dire, ça veut dire... Le royaume restera sans roi comme ça. C'est ça, le problème. Personne n'a jamais dit cela. Je vais vous oublier ça. Quand nous arriverons tous devant le pont, que nous la traversions tous... Mais je suis prêt à faire cela. Ah oui, on peut déjà tous traverser. Hein? Je peux bien le faire. En traversant seulement les ponts, nous sommes déjà là où il faut être. Ah, mon frère est là aussi. Codélé, vous devez savoir et vous souvenir toujours que la tradition demeure tradition. Alors nous devons lui permettre le choix du libre arbitre. Jusqu'à ce que cela ne soit fait, nous ne pourrons pas avancer. D'ailleurs, nous devons plutôt lui donner un laps de temps. Mais si cela échoue, le conseil des anciens se réunira pour choisir à nouveau une autre famille sur laquelle ça va tomber. Alors, vous pouvez voir que je n'ai pas le droit d'exercer de tels pouvoirs. Onowu. Très bien. Comme vous insistez, c'est là. On va revenir. C'est mieux. C'est mieux. Faisons ce qui est juste. Hein? Partez bien. Voilà mon grand frère, il est en train de tailler ses outils. Tu es en train de travailler comme ça. Mon frère. Hey. Hey. En train de travailler. Il n'y a rien de grave. Il y a ce manguier derrière la maison. Ok, je exact. Vois. Ça commence à percer le toit et j'ai peur pour la toiture. Je dois aller pour le tailler un peu. Et, oui, le tailler. C'est la même chose. Itenduka, il a dit la même chose. Les mangues qui sont dans la parcelle fait la même chose. Il faut qu'on les taille en fait. Même ce que je vois là aussi, ça va jusqu'au toit. Ouais, vous voyez pas. Vraiment. Il faut les tailler bien. Oui. Hey. Bien. Vous êtes là tous les deux chez moi. J'espère que tout va bien. Tu es notre frère, non? De temps en temps, on peut passer pour te saluer. Exactement, et tu es aussi notre aîné. Mais pour le moment, on est venu pour une chose très importante. Oui, très important. Très bien, alors.
Qu'y a-t-il? C'est à propos du trône. Le trône. Et tu sais, tu ne peux pas être un roi. Pas du tout. Jamais. Ça, c'est impossible. Et notre tradition l'interdit avec insistance. Oui. Tu ne peux pas être roi. Et en dépit de cela, oui. Je suis d'accord avec ça. Et c'est pour cela qu'on est venu. Pour qu'on aille à l'assemblée des sages. Exactement. Que tu me présentes. Oui. Comme le choix, oui, de la famille. Oui, exactement. C'est le choix de la comme, famille. Les rois. Oui. Amobi. Amobi. Amobi, tu as un problème. Et tu ne sais même pas que tu as un problème. J'ai l'air de quelqu'un qui a non, des problèmes. Non, tu vas bien. Tout va très bien. C'est non, ça. Il va très bien. Ne t'inquiète pas. Peu importe la raison pour laquelle on est là. Okudidi, essaye d'y réfléchir. Oui. Et de trouver un sens à cela. Oui. Et essaie d'appuyer l'idée. Laisse Okudidi en dehors de ceci. Nous savons tous que c'est ton idée à toi. Ou bien je ne fais pas partie de la famille. Il est aussi écoute, d'accord. Tous les deux savons que Okudidi n'a jamais son idée propre à lui. Hein? Ah, arrête de le manipuler pour ton propre bénéfice, Amobi. Mais mon frère, qu'est-ce que tu dis comme ça, hein? Ça signifie quoi tout ça? Comment peux-tu dire que je n'ai jamais une idée de moi-même? Comme si je n'ai pas de sens, c'est ça? Tu parles comme si j'étais fou. Hein? Tu viens peut-être de l'accuser de te parler avec arrogance. Mais non, regarde comment tu m'as parlé. Avec arrogance aussi. Tu me traites de fou. Tu es malade. Donc cela veut dire qu'à mon âge là, je n'ai pas de sens. C'est ce que ça veut dire, mon frère. C'est ça. Est-ce dis-moi que un tu es peu. Malade? Est-ce que tu peux vraiment imaginer oui. ça? Est-ce que j'ai l'air stupide? Frère, s'il te plaît, pardonne-le. Je t'ai pris de les pardonner. Okudidi, Okudidi, Okudidi. Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi. Ok. Calme-toi. C'est pas bon. J'allais aussi dire ça. Est-ce que j'ai l'air fou? Comme nous sommes, oui. nous trois ensemble, nous avançons très fort. Une famille unie. Comme une famille unie, une famille forte. Et nous allons pour la présentation. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il te sera donné ce respect-là, comme le premier fils, de faire la présentation. C'est ça, venir me présenter comme le choix de la famille. C'est ça. Amobi, je viens juste te dire de parler pour toi-même. Arrête de manipuler ton propre frère pour ton propre bénéfice. Parle pour toi-même. Mon frère, s'il te plaît, arrête ça. Non, mon frère, il n'est pas en train de me manipuler. Et nous avons déjà bien discuté. C'est l'homme qui parle pour moi. Il sait ce qui se trouve dans ma tête. C'est comme ça. Depuis l'enfance, il sait toujours ce qu'il y a déjà dans ma tête. Alors, tout ce qu'il dit, c'est exactement ce que moi je veux dire. Alors, vas-y, continue. Tu ne sais plus ce que je pense. Ah, parle pour moi. Il a dit que oui, c'est ça. C'est oui. Moi qui l'ai dit. Il a dit que je parle à sa place. Vu que je connais tout ce qu'il va dire. Il veut dire que nous trois, ensemble, partir comme étant une famille oui. unie, famille forte, à l'assemblée des sages. Et toi, devant, nous te donnons ce respect de me présenter comme étant le choix de la famille. C'est tout ce qu'on te demande. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut juste que tu fasses une en tant que l'aîné, avec tout l'honneur, c'est toi qui vas le présenter. Alors, allons-y. C'est comme ça que tu vas aller au palais. Il n'en a pas besoin. D'accord, allons-y. Mais c'est notre frère, et c'est notre grand frère. Mon frère? Où est-ce qu'il va? Oh, mais mon frère, c'est comme ça la route vers le palais, non? Tu vois, c'est pour ça que les gens te détestent. À cause de ton comportement. Au lieu que nous allions au palais, mais toi tu fais tes histoires là. Hein? Il ne veut pas partir. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de faire comme ça là-bas? Hein? Il veut le trône. Il n'a pas de fils. Et il ne peut pas mettre au monde. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'on aille seulement nous. Il ne va pas parler, même si on l'amène là-bas par force. Il ne va toujours pas parler. Rien du tout. Thank you.
Obi. Aïe. Obi, où est-ce que tu étais parti? Je l'ai cherché. S'il te plaît. J'espère qu'il n'y a aucun problème. S'il vous plaît, aide-moi à convaincre ton mari. Parle à ton mari. Parle à ton mari. Que je lui parle à quel sujet? Ok, je vais commencer. Es-tu au courant que l'Assemblée des Sages veut sortir quelqu'un de notre famille pour faire sortir le roi? Je sais. Je suis informée. Tu es au courant? Alors parle-lui. Qu'il me présente à l'Assemblée comme le prochain roi. Qu'il me présente moi. Mais pourquoi il ne le veut pas? Il sait très bien qu'il ne peut pas être le prochain Igwe parce qu'il n'a pas un fils. Jamais. Amobi, tu sais que le sexe des enfants est au-delà de nos pouvoirs. Ce n'est pas de notre faute si nous n'avons pas un garçon. Bien. Dans ce cas, qu'il me présente moi comme le prochain roi parce que lui, il n'aura pas. Il ne veut pas profiter de cette opportunité. Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? Bien sûr qu'il peut le faire définitivement. Il peut. Amobi, j'avais déjà eu cette discussion avec mon mari. Et il a été très clair avec moi. Il a dit que tu ne seras jamais un bon roi. Aïe. Oh, c'est ça son problème. Il parle beaucoup, mais pourquoi il peut dire ça? Que je ne serai pas un bon roi. Est-il un prophète de savoir si je ne serai pas un bon roi? C'est pour cela qu'on ne se comprend pas. Et si je dis que je l'ai détesté, les gens ne me croient pas. Je déteste mon frère. Je le déteste. Au revoir, Amobi. S'il te plaît, parle-lui. Je te fais confiance. Dis-le-lui. Il faut qu'il comprenne. Hein? Il doit le faire. Ah, sois la bienvenue. Merci. Tu as fini de couper les branches. C'est pour ça que tu as faim. Dans ce cas, laisse-moi aller rapidement te faire à manger. Je n'ai jamais dit que j'avais faim. Ah, mais pourquoi je ne vois pas le sourire sur ses visages? Qu'est-ce que c'est? Obiageli? Hein? Amobi est venu me voir ici avec Okodele. Pourquoi? Me demandons à moi de le présenter aux membres du conseil en tant que le roi. Va les présenter aux anciens. Du fait que tu sais que tu ne peux devenir roi vu qu'on n'a pas un fils, va présenter ton frère auprès des anciens. Hey, cela ira à l'encontre de mon meilleur jugement. Alors que je vois quelque chose qui pourrait détruire toute cette communauté, chose à laquelle je pourrais participer, comment puis-je remettre cette communauté entre les mains de Amobi en tant que roi? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en ai vraiment aucune idée. Je ne sais vraiment rien. Ok, dans ce cas, présente au coup d'il est devant les anciens. Okaroma, fais-les avant que ça ne parte à une autre famille. Ils n'auront pas d'autre choix que de décider. Présente au coup d'il est devant les anciens. Cela serait une erreur. Okudeli n'a pas ses propres idées à lui. Il a sa tête. Mais il s'attend à ce que d'autres personnes lui donnent des suggestions. Dans ce cas, je te repose la question. Que vas-tu faire? Okodeli sera simplement là-bas en tant qu'un figurant. Il permettra à quelqu'un de diriger à travers lui. Qui d'autre fera cela à part Amobi? Cette communauté finira dans la poche de quelqu'un. Alors, que vas-tu faire? Je souhaite avoir un fils. Tu souhaites? Ok, merci beaucoup. Laisse-moi aller faire à manger rapidement. Thank you.
Aïe. Ono, je te salue. Bienvenue. Je te souhaite la bienvenue. Comment va ta famille? Nous allons très bien. Ono, tout va très bien. Et comment va ta propre famille? Eh bien, nous allons bien. Ils sont tous là à manger ma nourriture. Hein, puissent-ils continuer? Oui. Nous sommes des pères de famille, c'est comme ça. Bah. C'est exact. C'est comme si tu t'es habillé pour sortir. Exact, tu m'aurais presque manqué, oh. Mais je dirais juste que tu es chanceux. Ah, bien sûr, je suis un homme de grâce. Je suis très chanceux, c'est comme ça. Ça, c'est vrai. Bien. On m'a dit que tu étais en train de me chercher. Exact. L'autre jour, Okudeli et Amobi sont venus ici. Ils m'ont dit que ta famille avait une réunion et a résolu que lui, Amobi, sera couronné le roi. Et d'après eux, je devais les aider afin de le dire au conseil des anciens. Que je devais leur dire. Je ne me sentais pas très à l'aise. Je m'étais dit de te voir d'abord. Est-ce bien vrai? Exact. Est-ce bien vrai que vous tous avez décidé que Amobi devait être votre premier représentant pour être couronné roi? Omaze. Ce monde ne cessera de nous étonner. Ce monde ne cessera jamais de nous étonner. Entouré que des traîtres. Ok? Oh non, je vois. Ce n'est pas vrai. J'y ai douté sérieusement. Oh non, quelle est la vraie version? Oh non, je suis là. J'aime bien mes frères. Et j'aime ma famille. Mais j'aime également les habitants de cette communauté. Et d'ailleurs, il y a une chose. J'adore cette communauté bien plus que ça. Je sais que je ne suis pas un saint. Mais je ne suis pas non plus un fou terrible. Mais au moins, je sais que j'ai toujours une conscience. Oh non. Amobi n'est pas du tout un très bon choix en tant que roi de ce village. Oh non, on pourrait se réveiller un bon matin et découvrir que Amobi, en tant que roi, a vendu le village entier et nous a abandonnés. Cela est le genre de personne qu'il est. Je dis tout ça pour que nous soyons bien sages que nous l'étions. Je ne m'attendais pas à tout ça de toi. Je sais qu'il n'est peut-être pas un meilleur homme. Mais qu'en est-il d'Okudeli? Parce que le prochain roi doit provenir de ta famille. Qu'en est-il de lui? Aïe. Celui-là est encore pire que ça. Celui-là ne doit même pas être cité. Je ne suis entouré que des sales idiots. Oh non. Tu pourrais avoir l'impression que cet homme devant toi n'aime jamais la paix avec ses propres frères. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est rien du tout de ce que tu crois. C'est juste que j'ai des sérieuses réservations à propos de Kodili. Tu ne peux pas devenir le roi parce que tu n'as pas de fils. Nous savons qu'avant que quiconque ne devienne roi, il doit avoir un fils avant le couronnement.
Ne t'en fais pas. Je connais les règles. Je connais les règles. Je les connais bien. Bien. Heureusement que ma femme est toujours avec moi. Heureusement que nous faisons encore de notre mieux. C'est bien Dieu qui donne des enfants et c'est également lui qui donne des enfants aux garçons. Mais je veux être franc avec toi, Onowu. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien dans les yeux. Allez dans une autre famille et choisissez votre roi. Et Kukwamiozo. Okwamilikanama. Tupozo. Ombulukwa mogezo. Miligamwa mukwanye. Bien. J'ai été très clair avec toi en te disant que c'est à votre tour de produire le roi. Vous avez encore le temps. Et pour nommer le prochain roi, les faiseurs de roi sont là en train de vous attendre. Exact. Papa. Papa. Ma fille. Papa, regarde le résultat. Hey. Hey. Osinachi. Oui, papa. Littérature française. Uh-huh. Anglais. Mathématiques. Biologie et tout ça avec distinction. Oui, papa, y compris la physique. Hey, ça c'est magnifique. Viens, 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 viens. Oh, papa. Ah, ça c'est ma fille, oh. Hey. Merci, papa. Qu'en est-il donc de ta sœur, Amarachi? Qu'en est-il de ce résultat? Ces résultats. Oh, elle aussi avait récupéré ses résultats. Ah. Où sont-ils dans ce cas? Oh. Elle a échoué à nouveau. Oh. Amarachi. Amara. Amarachi. Papa. Bien, bien. Tu ne sais plus répondre. Où sont les résultats des examens? C'est... Où ça? C'est dans la maison. Tu as mis les résultats de tes examens là dans la maison, alors que tu es passé ici. Apporte-les-moi. Ah, papa, je viens de te dire que c'est à l'intérieur de la maison, mais j'ai pas de force pour l'amener. Tu auras cette force. Allez, dépêche-toi. Montre-moi tout de suite tes résultats. Écoute, non. Chinua est méchant. Très très méchant. Toutes les personnes dans ce village ont approuvé mon idée. Tu as vraiment raison. Il est égoïste. Tu peux imaginer qu'il a dit que aucun de nous deux n'est qualifié pour être roi ici dans ce royaume. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Il me l'a dit en face. Il ne veut pas que je sois le roi. Ce n'est pas gentil. Non, là ce n'est pas bien. Tu vois maintenant pourquoi j'ai toujours dit qu'il a toujours tort. Tu peux imaginer qu'il a dit que tu n'es pas qualifié pour être roi. Et il a tort. Et même si toi, tu n'es pas qualifié à être roi parce que tu es méchant. Et moi alors, je suis aussi une mauvaise personne. Est-ce que moi aussi, je suis méchant comme toi? Suis-je méchant? Non, je n'ai rien dit. Tu m'appelles une mauvaise personne? Hein? Non. C'est ce que tu m'as dit? Comment peux-je dire ça? Je dis seulement que les gens sont en train de dire, incluant aussi notre propre frère, que toi que tu es une mauvaise personne. Les gens le disent ailleurs, mais toi tu me le dis en face que je suis une mauvaise personne. Non, je ne pouvais jamais croire. Ils ont vraiment tort.
Ce n'est pas vrai. Comment je peux croire que tu es une mauvaise personne? Tu n'es pas une mauvaise personne. Moi, je te connais. Tu es mon frère. Anglais. Ah, voilà de l'eau. Est-ce que c'est frais? C'est très frais, papa. Je l'ai moi-même testé. Alors, la différence? Papa, il n'y a plus de différence. On va repasser pour prendre. Donne-moi la différence. Ça fait plusieurs fois que tu viens sans argent et tu veux bouffer mon argent comme ça. Papa, ils n'ont pas juste l'échange. S'ils en auraient, je viendrai avec ça. Tu bouffes mon argent comme ça. Donne-moi la différence. Papa, si tu demandes, je vais te donner. Tu ne demandes pas. Je vais aller, je vais récupérer la différence. Mais c'est toi-même qui ne demande pas. Il n'a pas tort. Pourquoi tu te tiens là? Entre dans la maison. Papa, je reste seulement ici. J'ai dit entre dans la maison. Papa, c'est pas bon d'être là en train de t'attendre, en train de dire des mensonges. Ce n'est pas toi. Normalement, tu dois parler aux anciens. Il a raison. Il va prendre des ennemis. Il a raison. C'est toi qui as tort. Laisse-le rester. S'il était un roi, je l'aurais respecté. Il refuse d'obéir. Et c'est de cette façon qu'il va obéir. Dans ce cas, tu as tort. Va à l'intérieur, laisse-le parler. Important. Si on était à l'intérieur, on n'est pas venu faire ça ici. Tu as raison. Tu vas finir par être roi. Ça va arriver, mon frère. Maman, qu'est-ce que tu fais? Bon après-midi, je mange. Cette nourriture est censée être le déjeuner ou le dîner. Oh. Maman, je ne sais pas. En tout cas, maman, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je faim. Donc voilà pourquoi je mange. C'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu sais faire dans cette maison. Ognala. À part manger, tu ne sais rien d'autre. Où est parti au Sinachi? Je ne sais. Ok. Elle est sortie avec papa. Oh, maman, ils sont là. Oh, maman. Au Sinachi. Bon après-midi, maman. Oh. Chino, hein? Oh, tu es revenu. Bienvenue, papa. Maman, regarde, je tiens. Regarde ce que nous avons acheté. Pourquoi? Je suis allé acheter des chaussures et des habits pour Osinaji. Oui, maman, pourquoi? Regarde. Qu'est-ce que nous célébrons? Dis-lui. Maman, j'ai obtenu A dans 5 cours et B dans 3 cours. C'est vrai? Oh! Félicitations, et toi? C'est quoi ton résultat? Maman, je vous en prie, laissez-moi manger tranquillement, s'il vous plaît. Donne-moi ça. Donne-moi maman, cette nourriture. C'est ma nourriture. Donne-moi. Allez, maman. Tu as les kilos de me répondre. Dégage. Va-t'en. Espèce de c'est folle. Bon, laisse-la, laisse-la. Elle sait qu'elle n'a pas reçu, voilà pourquoi elle répond comme c'est ça. C'est bon, laisse-la, laisse-la, s'il te plaît, d'accord? Tu as obtenu A. Oui, maman, 5 fois. 5 fois? Oui. Félicitations. Où est cette folle? Où est-elle passée? Allons à l'intérieur. Où es-tu? Je veux que tu me dises la vérité. Rien que la vérité. Tu as pris mon père pour être le prochain roi dans ce village. Grand frère? Mais bien sûr. Ne veux-tu pas devenir le prince de ce royaume? Quant à moi, je n'ai pas envie de devenir princesse de ce royaume. Mais qui n'aime pas de belles choses? Sur ce point-là, tu as raison. Tu sais bien que papa n'est pas censé être le roi. Alors qu'est-ce que tu en dis? Ça m'est complètement égal. Tout ce que je veux, c'est la royauté. Ah, ferme ta bouche, quitte de là. J'essaie de te poser une question importante, mais tu réagis comme ça. C'est quoi ton problème? Papa, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu dis? Papa, j'ai appris la nouvelle. J'ai tes soutiens. Je vais commencer à prier et Dieu va répondre à mes prières. Dieu répondra. Amen. Et nos ennemis vont échouer. Amen. Tu vois, j'avais confiance en toi. Tu as bien fait d'agir comme ça. Hein? Oh. Merci. Tu es la personne qui m'a plu le plus. Oublie celui-là, papa. Merci beaucoup, ma fille. Tu es quelqu'un de bien. Hein? Papa,
Être une fille ne signifie pas que je n'ai pas de cerveau. J'ai réfléchi. Vraiment? Mm-hmm. Je te crois. Papa, laisse-moi te dire une chose. Les gens seront choqués. Je sais que tu es la meilleure. Merci. Hey! Papa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je fasse pour toi? Oui. Mm. Oui. Puis-je te confier un secret? Papa? Je veux dire, est-ce que je t'avais dit? Je ne l'ai pas encore vu. Ah bon? Es-tu sérieuse? Quand est-ce que tu as vérifié? Ah, papa, comment ça tu me poses des questions? Est-il un problème? Mmh. Tu peux partir. Ah. Ok papa, je m'en vais, je serai dans la maison. Chai, Chai. Chinois. Hmm? Quand est-ce que tu vas amener Amarachi au marché? Pourquoi donc? Tu étais allé au marché la fois dernière avec Osinati, tu lui as acheté des chaussures et des habits. Alors quand est-ce que tu iras avec elle? Je n'achèterai pas d'habits ah. pour Amarachi. Jusqu'à ce qu'elle change ses résultats. J'ai donné à Osinati ce présent. À cause de sa brillante réussite à ses examens. Amara, tu n'auras rien. Puisse-t-elle d'abord réussir à ses examens? Naï, la rivalité que tu cherches à créer entre ces filles n'est pas bien. Ça ne l'est pas du tout. Amara, tu n'es pas la première personne à échouer aux examens. Pourquoi es-tu dur envers elle? Écoute, ma... colère n'est même pas à cause de ça. Je veux dire, ce n'est pas seulement parce qu'elle a échoué à l'examen. Cela m'énerve parce qu'elle n'a fourni aucun effort. Si elle y fournit assez d'efforts, alors on verra qu'elle on pourra même la récompenser. Vois un peu les leçons pour lesquelles j'ai payé l'argent. Combien de fois va-t-elle à ses leçons 3-4 fois la semaine? Pas Osinachi. Osinachi est présent tous les jours. Alors, qu'elle réussisse d'abord ses examens de fin d'année, peut-être prochainement, et je pourrais lui acheter quelques cadeaux. Attends, où est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que aucun cadeau pour elle, elle doit passer ses examens. Pas de cadeau. Naï, tu sais que ce n'est pas tout le monde qui a le cerveau pour aller à l'école. Chacun apprend à sa manière. L'école n'est pas faite pour tout le monde. Certaines personnes gagnent leur vie sans pour autant passer par là. Obiagali. Arrête de donner des excuses pour son incapacité et sa paresse. Tu sais, si tu continues de dorloter ton enfant ainsi, elle va toujours dégraisser. Hein? Laisse-le y mettre un peu d'effort. Y mettre assez d'effort. Et elle réussira son examen. C'est cela. Abiam, Abiakam, les grands de tous les grands, je viens de t'apporter ça, et ça aussi, tout est réuni,
parce que je ne peux pas te remercier assez d'avoir écarté tous mes ennemis. Tout est écarté. Voilà. Les sacrifices, c'est pour toi. Prends. Oh Maïssa, les grands Maïssa, voilà. Ok, moi, prends ceci, prends. Si tu fais de moi le roi, je viendrai encore te remercier. Pour le moment, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Vas-y et donne-moi la victoire sur tous mes ennemis. Toi-même, tu sais, Igokan Tcharibou, toi-même, tu sais, il ne peut pas me dépasser. Tu me connais d'ailleurs, toi-même. Si je deviens le Igwe, je vais tout sanctionner. Et si je sanctionne, personne ne peut s'en opposer. Je vais voir mon frère. Conduis-moi à l'assemblée des anciens et aide-moi à l'éprouver que je suis le seul roi. C'est tout ce que je te demande. Voilà. Réponds-moi. Réponds-moi. Voilà. C'est ça. Je pars. Aide-moi. Le grand, accepte mes salutations. Je sais que tu es le grand de tous les grands. J'ai entendu tout ce que mon père t'a demandé. Mais s'il te plaît, je vais te demander une chose. S'il te plaît, n'accomplis aucun de ses souhaits. Ne les permets pas de diriger notre royaume. S'il te plaît, je t'en supplie. Je verse cette boisson pour qu'il n'aille pas ce qu'il demande. Et je t'en supplie. S'il te plaît, si tu peux exaucer cette chose pour moi, et je sais que tu es capable de le faire, je te promets de t'offrir une grosse poule pour te remercier de tout ce que tu vas faire. Amobi, mon frère. Je te salue. Bienvenue. Assieds-toi, s'il te plaît. Ok. Bienvenue. Hey. Mon frère, je pense que tout va bien. Oui, tout va bien. Nous allons tous bien. Et ta famille, ça va? Je suis venu en paix. Je suis venu discuter de quelque chose de très important. Vas-y. Mon frère, les gens disent que... Que? Si la chose que tu manges te coince à la gorge et tu ne sais pas quoi faire pour l'enlever, la première des choses, c'est de chercher à l'enlever avec son intelligence. Parce qu'il faut d'abord réfléchir. Mon frère, à propos de la famille, c'est compliqué. Ça sera terrible. Une chose inacceptable de laisser passer cette opportunité
de faire un autre roi pour notre peuple. Tu vois, j'ai compati avec toi, le plus profond de mon cœur, à cause de notre incompréhension. Tu n'as pas d'enfant. Je comprends ce que tu traverses. Et je sais que c'est difficile à comprendre. Alors, que pouvons-nous faire? Nous n'avons pas le choix. Comme c'est vraiment impossible, même par magie, tu ne peux pas être le roi. Mais la meilleure des choses à faire et la plus sage des choses à faire en tant que bonne personne que tu es, une personne d'honneur, est de présenter l'un de tes frères en suivant les critères, comme le dit la tradition, pour devenir un roi, de le présenter officiellement devant les anciens. Bien, malheureusement, je n'ai aucun frère qui n'a un critère, les critères exigés pour la royauté. Mais le critère est très simple. Premièrement, il doit être l'un des membres de la famille, de notre famille. Et deuxièmement, avoir au moins un fils. C'est ça le critère. Et dans ces cas, toi et l'autre là, vous n'avez pas de fils. Mais vous êtes membre de la famille, à la personne ne refuse. Mais j'ai un fils, moi. Mais tu ne possèdes pas les bons caractères. Des caractères sont exigés, des bons caractères. Bien, je ne partage pas ton avis. Je ne sais pas la bonne personne pour toi. Réponds à quoi? Parce que je réponds à tous les critères pour faire de moi un roi. Je les mérite. Tu n'es pas un roi. Tu n'en fais pas partie des membres de sages. Amobi, grand frère, arrête de perdre ton temps en allant aussi loin. Tu sais, je ne rends pas cela personnel. Mais écoute-moi. Tu ne seras pas un roi. Mon frère, j'ai tout essayé pour te faire comprendre que nous ne devons pas laisser cette opportunité. Notre famille doit saisir cette opportunité. Mais à tout moment, tu es en train de jouer au gros dur juste pour m'empêcher d'arriver au bout. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es si méchant? Pourquoi tu es... Je ne sais même pas comment je vais te classer, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Tu sais très bien que tu n'as pas de fils. Au lieu de t'allier avec moi, non, tu ne veux pas. Tu es toujours catégorique. Mais accepte seulement la tradition de notre peuple. Pourquoi tu ne veux pas seulement présenter ton propre frère? Pourquoi tu veux juste te lancer dans la guerre? Es-tu nécessaire? Amobi, grand frère, ceci n'est pas personnel. J'aurais souhaité que tu sois quelqu'un de bien. Je n'aurais jamais hésité de te prendre la main et te présenter au conseil des anciens. En tant que le roi, j'aurais fait cela volontairement. Personne ne m'aurait demandé de faire cela. Mais Amobi, tu ne l'es pas. Écoute, pendant que nous grandissions, je ne cessais de te le dire. Change un peu ton caractère. Tu n'arrêtais pas de te moquer de moi. Tu continuais de croire que je blaguais. Maintenant, dis-moi, où en sommes-nous? Vas-y, dis-moi. As-tu changé cela? Tu as fini. Attends, doucement, je n'ai pas fini. Je ne vais jamais permettre à cette communauté
d'être exposée à un homme qui est moralement corrompu. Mon frère, je respecte ton choix. Nous sommes de la même famille, le même sang. Mais si tu décides ainsi de faire rater cette opportunité pour la famille à cause de ton égoïsme, tu es tellement égoïste, tu ne peux pas faire passer cette opportunité. Non, voici ma décision. Je te donne 7 jours. 7 jours pour me présenter à l'Assemblée des Anciens. Si après 7 jours, je te fais la promesse, tout ce village, toute cette communauté ne sauront pas nous réunir. Je ne serai plus ton frère. Tu ne seras plus mon frère. On allait se réunir pour toi. Veux-tu me défier? Je dis défie-moi si tu es mon frère. Vas-y. Amobi, je ne fais jamais partie des défis inutiles et bêtes aussi. Je ne te défie pas toi. Dieu! Je suis un homme qui dit ce qu'il ressent. Je suis un homme qui voit la vérité et la dit exactement telle qu'elle est. Homme! Homme! C'est bon. Pas de problème. On se verra. N'importe quoi. Il va me sentir. On va voir maintenant. On va voir. Mon frère Amon. Mon frère. Mon frère. Ah, mais pourquoi tu marches vite comme je ça? Je t'appelle, tu ne réponds même pas. Je ne suis pas de bonne humeur, s'il te plaît. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me poses cette question-là, hein? Mais comment je vais savoir ce qui ne va pas chez toi si tu ne me dis pas? Est-ce que moi je vis en toi? Les trônes! Qu'est-ce qu'il y a avec le trône? Dis à ton frère, pourquoi il refuse que je devienne le roi? Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Il ne veut pas être roi. Il ne veut pas prendre les trônes. Mais pourquoi il ne me permet pas? Ah, mon frère, tu le connais très bien, il est très méchant. Et c'est pourquoi même il a toujours tort. Il est méchant. Je ne vois même pas ce que nous allons faire pour ces problèmes-là. Tu vois, est-ce qu'il est la seule personne honnête dans ce village? C'est la seule personne. Et vous vous mettez là à dire, il a dit, il a fait, c'est lui qui décide toujours. Tout ce qui vient de lui, c'est tellement méchant. Il est vraiment méchant. Comment est-ce qu'il est devenu si méchant? Comment? Mais ce qui est important, maintenant que les choses sont à ce niveau, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Je ne sais pas ce que tu veux faire. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais voir Onou. Mais laisse-moi venir avec toi, non? Je m'en fous. Oui, allons ensemble, s'il tu te plaît. Tu n'as qu'à me suivre. Onou, nous sommes là. Ça, c'est bien. Tu nous as cherché. J'espère, nous espérons que c'est une bonne nouvelle. Exact, oui. C'est juste parce que je viens d'une réunion au palais. Bien. Le truc, c'est que nous avions encore débattu sur votre problème que vous avez. À la fin, nous sommes venus à la conclusion que... concernant cette royauté auquel nous... S'il te plaît, Onou, on espère que c'est toujours notre famille. Oui, bien, pas encore. Mais à la fin de tout ça, nous avions résolu qu'une année, une année pleine vous sera donnée à vous, bien sûr, pour décider et nous présenter quelqu'un qui vous représentera tous. Une année? Juste une année, et si vous échouez, nous devrons prendre quelqu'un d'une autre famille. Quelqu'un d'une autre famille qui deviendra le roi. Oh non, une année. Mais pourquoi? C'est ça, exact. On s'est consulté dans la famille et on a décidé que c'est moi qui vais représenter. C'est pas ça? Et moi je suis là pour te soutenir. Et je suis le prochain roi. Pourquoi ne pas le faire pour la prochaine semaine? Pourquoi une année? Écoute, seulement? Reporter les choses comme ça, c'est vraiment dangereux. Vraiment dangereux? Mais moi je suis déjà là. Je suis là pour le soutenir. Exactement. Dans notre famille, nous avons résolu. Et nous avons décidé que c'est lui qui va nous représenter. Mais pourquoi vous traînez comme ça? Pourquoi vous ne le couronnez pas? Couronnez-le déjà. Bien joué, maître Sala. Grand frère. On ne pensait pas te trouver à la maison. Ah, oui.
je mets quelques trucs en ordre, voilà un peu. Et c'est vrai que je m'apprêtais à sortir, c'est vrai. Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? Ben oui, il y a l'air conditionné. Oui, on peut. Ah, ouais, d'accord. On est venu te voir. Vu que tu as aménagé ici, on a décidé de te voir. Exact, il me l'a dit. Il me l'a dit, il m'a parlé au téléphone. Il m'a dit que vous étiez chez lui. Exact. Je crois qu'il t'avait dit à propos de la décision du grand sage. Et on a parlé de notre famille. N'est-ce pas? Il a dit oui. Alors? Alors quoi? Je veux dire, on va vraiment attendre jusqu'à une année. Ou bien on peut aller voir les anciens pour qu'on modifie la situation. Amobi, je ne vais pas te présenter aux anciens. Combien de fois devrais-je te dire cela? Mon frère, tu veux vraiment que notre famille perde cette opportunité de faire l'un de nous un roi à cause de ton égoïsme? L'égoïsme, c'est ça? Hein? Tu ne peux pas changer d'idée. Oh! Nous parlons de choses très importantes ici, mais tu fais du n'importe quoi. As-tu entendu ce qu'il vient de dire? Désolé. Eh, écoute-moi, mon frère. Ce que tu fais là, en tout cas, moi, je n'aime pas. Je n'apprécie pas cela du tout. Regarde un peu. Un homme comme toi attend de dire ce que je n'aime pas. Tu dis ce que je n'aime pas. Tu sais très bien que depuis l'enfance, je n'aime pas ce que je déteste. Hein? Pourquoi tu veux que nous perdions cette opportunité en or de présenter et de produire le nouveau roi de ce royaume? Écoute, les gens vont vraiment se moquer de nous. Les gens ne vont pas seulement se moquer de nous deux. Et ils vont se moquer de nous tous là. Et puis, ils vont plus se moquer de toi parce que c'est toi l'aîné. Okudiri. Hein? C'est beaucoup mieux que les gens se moquent de nous. Au lieu que nous présentions un mauvais candidat. Un très mauvais candidat. Un candidat méchant comme Amobi. Okudiri, le trône n'appartient pas du tout à qui que ce soit. Oui, tu as vraiment raison, mon grand frère. Je n'avais même pas pensé à ça. Tu as vraiment raison. Oui, tu as vraiment raison. Désolé. Es-tu malade? As-tu un peu de peur de ta tête? Comment tu peux l'appuyer? Donc pour toi, c'est bien que notre famille ne puisse pas produire un roi. Hein? Et c'est comme ça que la famille se comporte? Sommes-nous pas des humains? Je suis un être humain et tu as vraiment raison, oh. Hein? Mais tu as vraiment raison. Nous sommes des êtres humains, oh. Oui, nous sommes capables. Mon frère, tu as tort. Il a raison. Le trône est fait pour les êtres humains. Et nous sommes des êtres humains. Oui, tu as raison. Je suis vraiment désolé. Okudiri. Oui, grand frère. Tu as un très bon cœur. Merci. Merci. Ton Dieu t'a béni avec un bon cœur. Oui. Au contraire de notre frère ici, il a un mauvais et très méchant cœur. Alors il ne mérite pas du tout d'être roi. C'est juste la seule chose qui ne va pas bien avec toi, c'est que tu es tantôt ici, tantôt tu es là. Tu n'as pas tes idées à toi. Mon frère, écoute-moi, je n'ai pas besoin de t'insulter. Veux-tu vraiment fermer ta bouche? Et arrête de parler de n'importe quoi, s'il te plaît, arrête. Tu veux que j'arrête de dire n'importe quoi? Tu parles de n'importe quoi. Qui voulais-tu dire par « je suis bête, je suis méchant et je ne serai pas le roi » Je t'ai donné 7 jours, et on court derrière le temps. Ça commence aujourd'hui déjà, et après ces 7 jours, c'est là que tu comprendras qui je suis. Qui nous sommes? Qui nous sommes, oui, qui nous sommes? Qui nous sommes? Si tu sauras nous retenir. Il ne faut pas nous contenir, nous sommes vraiment énormes. Peut-on imaginer? T'inquiète pas, ça va aller, ok? Tout ira bien. Mais c'est pas bon. C'est bon, tu as raison. Je l'ai remarqué, c'est pas sucré, c'est juste fade. Mais comment il a fait? Où est-ce que tu l'as acheté? Cette femme-là, qui vend juste au coin de la rue. Papa est revenu. Bienvenue, papa. Papa, oui. Bienvenue. Mes chères filles, asseyez-vous. Et je vais m'asseoir avec vous maintenant. Exact.
Tiens. Pour toi. Qu'est-ce que c'est, papa? Ouvre d'abord. Un téléphone? Exact. Papa? C'est pour toi, ma chère fille. Ah! Papa, tu m'as apporté un téléphone? Exact. Oh, papa, merci beaucoup, papa. Papa, merci beaucoup. Que tu es bénisse. Merci. Ah, j'ai un téléphone maintenant. Exact, c'est un smartphone. C'est un cadeau pour toi, ma chère fille. Mais merci, tu vas papa. L'utiliser seulement aujourd'hui. Te familiariser avec aussi longtemps que tu le peux et me l'apporter pour que je le garde. Exact. Quand tu passeras ton examen, quand tes résultats de tes examens seront là et que tu seras prêt à aller à l'université, tu iras avec ça. Ok, papa, merci beaucoup. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Qu'il te bénisse aussi, ma fille. Okay? Oui. Merci beaucoup, papa. Merci infiniment. Hey, mon Dieu. Exact. J'ai un téléphone maintenant. mon ça téléphone. Me rend très heureux. Oui. Papa, quand est-ce que tu vas m'acheter un téléphone? Amarachi. J'achèterai un smartphone pour toi quand tu réussiras à tes examens et quand tu passeras de classe. Quand tu iras à l'université, je t'y inscrirai avec ton propre smartphone. Je célèbre et récompense le succès, pas l'échec. Ami, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que c'est papa? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est même pas du tout maman. Il a donné à Osinachi un smartphone. Il lui a acheté un nouveau téléphone. Et il a dit qu'il ne va pas me l'acheter parce que je ne suis pas sa fille, je ne suis qu'une étrangère. Veux-tu la fermer? C'est quoi cette bêtise? Pourquoi dira-t-il cela? Si tu es fâché, énerve-toi contre ton père. Ne te tourne pas contre Osinachi. C'est pas elle ton problème. Ton père ne t'a pas acheté un téléphone parce que tu n'étais pas bien appliqué. Il l'a acheté à Osinachi parce qu'à l'école, elle a réussi. Tu connais très bien ton père. Il est très content quand vous réussissez. Tu n'avais pas réussi, alors il achetait les téléphones à Osinachi. Maintenant, tu te fâches contre elle. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. T'inquiète pas. Tu sais bien qu'il a acheté les téléphones à Osinachi, tout simplement parce qu'elle a réussi. Il ne pouvait quand même pas t'acheter parce que tu as échoué. Ok? Il va t'acheter un téléphone. Mais ne te fâche pas contre ta sœur. Juste applique-toi bien à l'école et tu verras. Il va t'acheter un téléphone. Allez, viens. Viens, ma chérie. Approche. Allez. Je t'ai dit, papa, tu aurais dû voir, c'est fou. Papa Chinna, oui, j'ai oui. trouvé ceci dans l'un de tes habits quand je faisais la lessive. Allez, prends-le. Je m'inquiétais pour ça, merci. Dis-moi, c'est quoi ça? En quoi tu te regardes? Tu as trouvé quelque chose dans ma poche et tu me demandes qu'est-ce que c'est? C'est pour ma maladie. Mais pourquoi tu veux mentir? Pourquoi tu mens à tout moment, hein? Pourquoi tu ne veux pas seulement dire la vérité? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, jeune homme? Regardez, tu me dis vraiment que non, je suis un menteur. Un truc de malaria que j'ai acheté. En quoi ça te concerne? Tu es en train de mentir, ce n'est pas pour le malaria. D'ailleurs, je sais ce que c'est. Dis seulement la vérité, hein? Qu'est-ce qui t'empêche de dire la vérité? Ok, si tu connais ce que ça veut dire, pourquoi tu ne lui dis pas? Dis-lui ce que c'est. Papa, je n'ai pas le temps de dire quoi que ce soit. C'est à toi de dire. Dis-lui ce que c'est. Hein? Parle seulement la vérité. Tu ne vas pas mourir. Mais grand frère, de quoi est-ce que tu parles? Et toi là, ferme la bouche.
C'est une discussion entre un mari et sa femme. J'ai dit ferme ta bouche. Si elle te dit la fermer, hein? Ferme ta bouche. Toujours. Ferme ta bouche. J'ai dit ferme ta bouche. Arrête de dire ça, papa. Je t'interdis de parler. Ferme ta bouche. Parle seulement la vérité. Si je te regarde, je vois que mon frère, tu es trop bête. C'est comme ça que tu es. C'est pour cela que je ne vais jamais te défendre. Tu ne seras jamais le roi. Tu n'iras nulle part avec tes ambitions. Je vais faire en sorte que tu ne deviennes jamais le roi. Malheureusement, je suis le prochain roi. Mon fils, bam, tu ne veux pas me soutenir. Papa. Tu ne veux pas me soutenir. Vous n'allez pas me tuer dans cette maison. Je m'en vais. Je serai le roi. Et la seule chose que je ferai pour toi, tu ne resteras jamais autour de moi comme un prince. Et papa? Oui, je serai le roi sur le trône. Bien sûr, ce ne sera pas pour toi. C'est ça. Même après ma mort, je serai remplacé par quelqu'un d'autre. Mais il veut me tuer, oh. Tu veux me tuer? Qu'est-ce que je ferai avec toi? Je ne mourrai pas. Tu es inutile. N'importe quoi. Je ne mourrai pas. Grand frère, c'est comme ça que ça s'est passé, oh. Je n'avais pas d'autre choix. Tu es vraiment intéressante. Je te l'ai dit. Grand frère, pourquoi tu aimes toujours provoquer papa? C'est quoi le problème? As-tu oublié que tu es le seul garçon de cette famille? Tu ne peux quand même pas commencer à te comporter comme ça. Je ne suis pas fier de lui. Je ne suis pas fier d'être son fils. Dioué, ton père est un homme corruptible et tout le monde dans ce village le sait très bien. Hein? Même si c'est le cas, grand frère, tu ne peux quand même pas commencer à l'attaquer à tout moment. Ok, je vais changer de comportement. Je vais essayer d'être plus ennemi de lui dans tout ce qu'il fera. Mais c'est pas juste. Il serait mieux que tu entres dans la maison et que tu lui expliques ce que je viens de dire. Grand frère, toi aussi, deux fois tu exagères. Allez. Aussi. Chibo. Aussi. D'où est-ce que tu viens? Non, je ne suis pas venu pour ça. C'est à cause de mon père. Oui, c'est mon père. Il essaye de me sacrifier. Raison pour laquelle je suis comme ça. Chibo, toi et ton père. Ah non. Allez, viens. Viens. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci? Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait. Je lui ai juste dit une seule vérité. Il s'est mis en colère. Allez, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'il ne sera jamais le roi. Je ne veux pas qu'il soit le roi. Écoute, je veux que ton père soit le roi. Mon père, c'est une mauvaise personne. Je ne veux pas qu'il soit le roi. Il ne fait que des choses à sa manière. C'est pour cela que je ne veux pas qu'il soit le roi. Et je ne serai jamais de son côté jusqu'à ce qu'il manque ses trônes. Thibaut. Écoute, je sais que ton père n'est pas un homme bon. Je n'en disconviens pas, mais il est toujours ton père. Allez. Je sais. À chaque fois, je te dis que ce n'est pas mon père. Tout le monde dans ce village sait qu'il est mon père. Mais je ne veux pas qu'il s'assoie sur ce trône. Je ne veux pas seulement qu'il soit le roi. C'est bon. Ok, partons chez nous à la maison. D'où viens-tu? J'étais allée vendre de l'huile de palme à maman Ophala. Et à mon retour, j'ai trouvé ceci, j'ai décidé de l'acheter. Ça a l'air de plaisir. Laisse-moi t'aider alors, tu sois allée. Merci. Tu me sauves vraiment la vie. Papa. Amara. Monsieur. Laisse-nous. Chima. Obiagele, j'avais mis un peu d'argent dans mon oreiller, à l'intérieur de ma chambre, mais je n'arrive pas à le retrouver. Je l'avais pris. Pourquoi as-tu pu faire une chose pareille? Je l'ai utilisé pour acheter un téléphone à notre fille. Laquelle de nos filles? Amarachi, bien sûr. Je l'ai acheté un téléphone. Pourquoi as-tu pu faire une stupide chose comme ça?
Pourquoi est-ce que tu as pris mon argent sans ma permission? Naï, je viens de te dire que je l'ai dépensé sur notre fille. J'ai acheté les téléphones à notre fille, notre propre fille, pas une étrangère. C'est la pire des choses que tu aies fait. Pourquoi est-ce que tu as pris mon argent? Je veux que cet argent soit restauré. Être restauré immédiatement. Tu sais que tu avais acheté un téléphone pour Osinachi. Alors je devais acheter un téléphone pour la cadette pour arrêter cette dispute. C'est pour ça que j'ai pris l'argent pour lui acheter un téléphone. Comme ça, elles ne vont pas s'entretuer pour peu. Et je te dis que c'était la plus stupide des choses à faire. Tu sais pourquoi j'ai acheté ce phone à Osinachi? Au cas où tu te le demandes, laisse-moi te le rendre plus clair. J'ai acheté le téléphone pour encourager l'une et faire en sorte que l'autre se relève, fournisse un effort. C'est pourquoi j'ai acheté à Osinachi ce phone. En fait, c'est ce que tu penses, que tu voulais encourager une, or que tu as créé un problème entre elles. Donc, je voulais éviter ces problèmes. Voilà pourquoi j'ai pris l'argent et acheté un téléphone à Marachi pour éteindre ces feux. Comme ça, il n'y aura plus de disputes. Voilà pourquoi je l'ai fait. Obiageli? Naï. Je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça, mais écoute-moi. Pour que la paix absolue du règne, remets cet argent dans mon oreiller. Retourne-le maintenant pour que la paix règne. Mais Chima, tu dois attendre jusqu'à ce que je trouverai cet argent pour te le remettre. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Quand je l'aurai, je te le donnerai. Tout ce que je fais, c'était juste pour arrêter ces problèmes, pour éteindre ces feux, pour que la paix puisse régner dans cette maison. Ah. Papa Chibo. Tiens, on n'est pas à dormir. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Allons dormir. S'il te plaît. Tu ne vas plus commencer à me toucher. Je ne veux pas de troubles aujourd'hui. Je vais juste rester seul. Ah, ah. Je ne veux pas de dérangement. S'il te plaît. Pourquoi? Ça fait 2 jours que tu ne me touches pas. Tu te plains toujours que tu n'es pas d'humeur. Ou soit, oui. Tu ne me trouves plus du tout attirante. Écoute, je ne suis pas prêt pour les futilités. Hein? Quelqu'un ne veut pas du tout que je sois le roi de ce royaume. Et je ne pense pas au sexe en ce moment. Mais ne t'inquiète pas. Si je suis couronné, lorsque j'aurai le privilège royal, on verra tout ce que tu voudras, à l'heure que tu voudras. Parce que là, j'aurai des idées en place. Hein? Mais maintenant, laisse-moi juste me concentrer sur ce que je suis en train de faire. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais ton fils Chibo a dit que ton grand frère Chima ne veut pas t'emmener devant les conseils des anciens. Que tu es un homme mauvais. Et c'est toi qui m'appelles mauvaise personne? Je ne l'ai pas dit. Alors où tu l'as c'est appris? C'est ton fils qui l'a dit. Exactement. S'il m'appelle une mauvaise personne, tout ce que je veux en ce moment, au conseil des anciens, pour que je sois le roi. Et il refuse de le faire. C'est pour cela qu'il me traite comme ça. Tu dois faire l'amour avec moi cette nuit. Comment ça? C'est Papa énorme. Chibo, tu dois me faire l'amour. Est-ce par force? Ça fait combien de jours que tu n'as pas touché? Ça va s'élever. Ça ne va non, pas s'élever. Ça va s'élever. Je ne suis pas stable émotionnellement. On y va dormir. Hein? Je veux me déplacer. Je ne bougerai pas d'ici. Hein? On y va au lit. Ça mais fait comment combien je vais... de jours que tu n'as pas touché à non, femme? Pas aujourd'hui. Je ne suis pas vraiment de bonne humeur. Hé, hey, monsieur. Ça veut dire quoi, ceci? Mon cher, parle-lui. Vas-y. Qui êtes-vous? Monsieur, oublie un peu ce que nous sommes pour l'instant. Nous sommes là pour t'avertir. Si tu ne veux pas que nous venions te rendre visite, toi et ta famille, tu vas présenter ton frère Amobi au conseil des anciens comme le prochain roi. C'est ça même. Et tu dois faire vite. Alors, c'en est arrivé à ce point.
Amobi vous a envoyé vous. Oh gars, personne ne nous a envoyé. Oh. Personne ne nous a envoyé. Tu n'as juste que deux seulement choses à faire. Sinon, on viendra chez toi. Là, tu es averti. Oh. Là, tu es averti. À bon entendeur, salut. On a fini. Amobi. Amobi. Oncle. Oncle, bonsoir. Où est ton père? Il est là-bas. Je suis là. Pourquoi tu cries la nuit comme ça? Y a-t-il un problème? Amobi. Oui. Amobi, on est arrivé au point où tu engages maintenant des gens. Hein? Pour venir me voir et ma famille pour nous menacer. De quoi parles-tu exactement? J'ai bien reçu le message que tu m'as envoyé. Je suis ici pour te donner la réponse. Je ne vais en aucun cas succomber à ta menace. Écoute, si tu as des problèmes avec quelqu'un d'autre, c'est lui qui t'a insulté. S'il te plaît, va les voir et arrête de me mélanger là-dessus. Je n'ai aucune idée de tout ce que tu es en train de me raconter. Hein, je ne sais pas, je n'ai même pas besoin. S'il te plaît. Tu peux le nier, ça ne me dérange pas. J'ai déjà pris ma décision. Je préfère de loin que la royauté puisse aller dans une autre famille plutôt que de la donner à toi. Très bonne décision. Tu ne fais d'ailleurs absolument rien du tout pour montrer que tu es en train de changer en mieux. Ferme-la. Je dis ferme ta bouche et ne me raconte pas toutes ces histoires. Tu te prends toujours pour un saint. Ne me parle pas de telles histoires. J'en fais pas. Je l'ai entendu comme ça. Et ne me dérange plus. Hein? Quitte ma maison. Je ne parle insulte-moi. Insulte-moi. Mais que ce soit clair, puisse ce message demeurer dans ta petite caboche. Écoute, je suis et je serai le roi de ces royaumes. Que tu le veuilles ou non. Et de ce village. Je ne vais pas arrêter. Mais laisse-moi te dire une chose. Si je deviens le roi et Jésus-Christ, mon frère, tu vas souffrir. Je serai très dur avec toi. Je ne sais pas quoi dire. Je vais te bannir de ce village. Tu sais quoi? Même dans ta tête, tu sauras que je serai le roi dans ce village. Rentrez. Tu te mets là à parler de n'importe quoi. Non. Je ne crois pas à ça. Écoute, mets ça dans ta tête que je serai le roi. De qui tu te prends? Moi, je serai le roi. Quitte ma maison. N'importe quoi. Est-ce que tu t'entends toi-même? Papa, est-ce que tu t'entends toi-même? Qu'est-ce que tu racontes? C'est la raison pour laquelle je ne peux pas te soutenir. T'en fermes ta bouche. De quoi non, tu racontes? Je ne vais pas la fermer. Ferme ta bouche. Refuse, je ne vais pas la fermer. Je te dis juste la vérité. Que je ne vais pas te soutenir. Et moi, je soutiens cet homme. Cet homme juste, c'est lui qui sera le roi. Il sera le roi de ce village. Écoute-moi. Si tu me défies de cette manière, si seulement tu oses le faire, dégage d'ici et laisse-moi tranquille. Tu ne vas rien faire, papa. Je dis, entre dans la maison, idiot. Un enfant inutile. Peux-tu imaginer? Ton oncle parle du n'importe quoi. Et toi, là, tu te mets là à parler du n'importe quoi aussi. Peu importe. Moi, je serai le roi de ces royaumes. Hein. Tu as goûté, c'est bon. Dis-moi, tu aimes ça? C'est très bon. C'est bon, hein? Oui, c'est très bien. Si tu n'es pas rassasié, on peut encore ajouter. Hein. Tu sais, c'est vraiment confortable de venir ici. Serveuse. Serre-moi encore. D'accord, monsieur. Lorsque je serai Igwe. Garde. Ok, monsieur. Lorsque je serai Igwe, je vais t'épouser. Oga, Amobi. Ajoute 3. Qu'est-ce que j'avais dit? Votre Altesse. Parce qu'évidemment, vous êtes très haut. Tu as raison. Une bonne femme. Ne t'inquiète pas. Très bientôt,
de serrer le roi. Je vais vous bannir de la forêt. Et je vais épouser cette femme. C'est quoi ça? Non. Monsieur, voilà notre preuve que tu ne pourras jamais être roi ici dans ce village. Oui. Tu ne seras jamais roi. Tu ne seras jamais roi. Oui. Es-tu sûr de ça? Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas, je vais t'épouser, sérieux le roi. C'est ça. Il est ivre. Quand je t'appelle, tu viens. Viens, je vais t'épouser. Parce que je serai le roi. Le roi. Viens avec moi. Viens avec moi. Tu es ma femme. Thibaut. Ton père est ivre. Il est tombé devant la maison de Mazuyana. Il aura du mal à rentrer à la maison s'il n'est pas assisté. Mon père est ivre. Et il est tombé chez Mazurieti. Qu'il dorme là-bas. Laisse-le dormir là-bas. Demain matin, s'il se réveille, il va venir ici à la maison. C'est de ton père que tu es en train de parler, Thibaut. Arrête, ne vais pas. Thibaut. Je ne ferai rien du tout pour l'aider. Je ne ferai rien. Bonsoir, maman. Y a-t-il un problème? Oui, j'étais venue dire à Thibaut que son père est ivre et il est tombé quelque part en cours des routes. Ivre? Oui. Où, ma fille? Thibaut. Hé, arrête de m'appeler comme ça. Il a pris la bière consciemment. Hein, laisse-le dormir là-bas. Il viendra lorsqu'il va se réveiller. Où est-il? Il est tombé devant la maison de Mazuyana. Vous ne réussirez pas à me tuer dans cette maison. Ma fille, on y va, montre-moi les chemins. Hé, ne me touche pas, sinon je vais te gifler. Grand frère, il s'agit de papa. Il s'est même enivré. Il veut être roi. N'importe quoi. Un ivrogne. Il veut être roi. Maman, comment ça vous partez? Attendez-moi. Où est-ce que tu vas? Mais je pars avec vous au mariage. Je croyais t'avoir demandé de lui dire de rester à la maison. Oui, maman, elle l'avait fait, mais elle le disait en rien. Alors je croyais qu'elle plaisantait. Non, ce n'était pas une blague. Tu dois rester à la maison et prendre soin d'elle. Mais pourquoi, maman? J'ai besoin d'y aller avec vous. Partons. Je dis que tu dois rester et prendre soin de cette maison. Tu ne comprends donc pas? Non, maman, c'est pas juste, c'est pas du tout juste. Il n'y a rien de juste avec ça. Que veux-tu dire par c'est pas juste, hein? Je lui avais demandé de te dire que tu ne viendras pas, parce que c'est une petite cérémonie. C'est pas une grande. Si elle n'avait pas exigé la présence d'Amarachi, elle n'allait pas venir, j'allais partir seule. Elle veut qu'Amarachi fasse quelque chose pour elle. Après tout, cette cérémonie se passera chez sa mère. Et sa maison est très petite. Si nous tous nous partons à cette maison, où est-ce que nous allons nous asseoir? Tu comprends? Mais maman, c'est pas bien, c'est pas juste, je m'étais apprêtée, maman. C'est bon, calme-toi, allez. C'est bon. Prochainement, nous irons ensemble, ok? Calme-toi, reste à la maison.
Entre maman, à l'intérieur arrête, et ferme arrête, la porte. Arrête, maman. Oui, je vais regarde partir. La clé là. Ferme à l'intérieur. Maman, c'est pas juste. Attendez-moi. Allons-y. Maman. Écoute, lorsque je serai vraiment couronné, hein, comme un roi, on va acheter tous ces bars. Tout ça, on va boire, manger, on aura des chéris, tout ce qu'on voudra. Hein? Tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Et tu sais quoi? Serveuse, comment tu vas? Amène-moi ma bière. D'accord. Oui, fais vite, fais vite, fais vite. J'ai vraiment hâte de commencer à boire. Ici. On va tous boire. Hey, Usoka. Oga Mobi. À ta santé. Oga Mobi, salutations. Tu m'avais insulté. Je vais te montrer. Aujourd'hui, tu es venu boire parce que tu as insulté le roi. Oui, il a totalement raison. Tu vas t'excuser auprès du roi. Excuse-toi. Quand tu commences à parler comme ça, il a encore bu. Hein? C'est ce que tu as dit. Toi, tu as vraiment tort. Il n'écoute pas. C'est toi qui as raison. Comment ça? J'ai pas raison. Il a tort. C'est toi qui as raison. Ne le dis plus. Tu as tort. Igwa Mobio, je te salue. Mais c'est très évident que tu es déjà ivre. Ce garçon, il m'avait insulté l'autre fois. Je l'avais laissé. Tu veux encore aujourd'hui? Tu veux m'insulter? Si tu oses aujourd'hui, je vais te tuer. Majesté. Je serai le roi. Le roi. Tu dois me respecter. Oui, je c'est toi le roi. Roi. C'est le roi. Roi Igwe. Respecte-moi. Pardonne-lui. Nayamobi, laisse-moi te dire quelque chose. L'autre jour, j'ai fait une vidéo de toi quand tu étais ivre et que tu tombais par-ci et par-là pendant que tu rentrais à la maison. Es-tu sérieux? Très bientôt, je la mettrai en ligne. Hein? Donc, Igwe, bois la bière. Combien de bouteilles? Donc, c'est ce que tu as fait. Je suis tombé et je n'ai pas arrivé à me relever. Et tu m'as dit que tu as fait la vidéo et tu as mis ça en ligne. Tu n'as pas de respect au roi. Il faut me respecter. Non, 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 il a vraiment tort. Ne le suis pas. Très bizarre. Dis-le-lui. Très bizarre. Vraiment, vraiment tort. Tu as vraiment, vraiment tort, toi. Ne fais pas ça. Ne l'essaye plus. N'essaye pas. N'essaye pas. Dieu merci, oh, que ton grand frère n'ait pas cité ton nom là-bas pour la royauté. Dieu merci pour mon frère. Je confirme. Mais au moins, laisse-moi te dire. Hein? Quand cette une année passera, c'est ma famille qui donnera les rois. Je suis d'accord avec toi, mec. C'est ça ton plan. C'est pour cela que tu m'as insulté. On a mis des rangs. Laisse-le. Prends ceci. Trouve-moi le numéro de Chukuno, s'il te plaît. Je veux parler avec lui. D'accord. Entrez. Qui est là? Oh non, bonjour. Assieds-toi. Assieds-toi. Merci. Alors, qu'as-tu donc vu? Ono, j'étais en route pour aller voir Ichie et Omenka. Arrivé au bar qui se trouve proche de la place du marché, j'ai vu Amobi en train de poursuivre Ozoka et Nielo avec une bouteille. Hein? Il voulait à tout prix les frapper. Ah. J'espère qu'il n'a pas réussi. Non, j'étais terrifié. J'étais vraiment très terrifié. C'est vraiment terrible. Oh non, oui, ça l'est, oh. Oh non, je suis vraiment inquiet et confus en même temps. Oh non, n'est-il pas le même ancien qui est censé devenir notre prochain roi dans ce village? Oh non, si vous me demandez, oh, sincèrement, je dirais que c'est mieux que nous n'ayons pas de roi plutôt que d'en avoir un fou comme lui. Bien, jeune homme, tu as fait ce qui est supposé être juste parce que tu es venu me le raconter à moi. Laisse-moi le reste. Hein? Je vais m'en occuper. De la manière qu'il faut, d'accord? Ah ah! Oh, Sinachi! Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue, papa. Pourquoi es-tu assise ainsi? Très triste. Tu ressembles à une propriété abandonnée. N'est-ce pas que c'est maman? Elle m'a abandonnée, elle m'a laissée toute seule, elle est partie au mariage de Chidema avec Amarachi. Très bien. C'est exactement ce que j'avais dit. Une propriété abandonnée. Ah, donc ils sont partis. Hein? Elles sont parties, elles m'ont laissé. Mais je crois que ta maman devait avoir des bonnes raisons. Elle n'avait pas du tout une raison.
Oui, c'est juste qu'elle ne voulait pas que je puisse partir avec elle. Je ne puis rien y faire, malheureusement. Je suis désolé. Je ne puis la contredire en te demandant ou en te donnant la permission. Juste sois forte. Mais en passant, va juste voir tes amis dans ce cas. J'ai pas besoin d'aller où que ce soit. Tout ce dont j'ai besoin, c'est assister à ces mariages. Je vais aller à ces mariages, papa. Et je ne peux pas te donner une quelconque permission. Je te l'ai dit, je viens à peine te le dire, non? Hein? Voyons. Essuie tes larmes, essuie-les, voyons. Je crois bien que dans très peu de temps, elles sont de retour à la maison. Hein? En passant, je dois aller voir mon ami maintenant. Garde ceci. Garde-le pour moi dans l'armoire. Essuie tes larmes. Regarde-moi. Essuie tes larmes. Très bien. Je reviens vite. Papa? Oui? Papa? Est-ce que je peux boire un peu? Où s'il a dit? Papa? Tu bois? Un peu. Je veux juste prendre un tout petit peu. Ça, ce n'est pas l'alcool ordinaire. Papa, je sais, je le très sais. Très bien. Juste un peu. N'ose pas faire n'importe quoi. Arrête, ce n'est pas vrai. On a bouclé les yeux au cou. Hein? C'est ça. On est où? Solide. Tu possèdes une voiture maintenant. Oh, tu connais ma. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est bien haut. C'est merveilleux. C'est ce que je n'arrête pas de dire aux gens. Un travail dur et la détermination. Vraiment. Ça paye bien. Et avec le travail et la détermination, tu peux aller dans n'importe quel niveau. Vas-y, Odogu, ta place. Merci beaucoup, mon ami. C'est vraiment le moment. Remercions Dieu. Hey. Tu vois, une affaire de toi seulement. C'est ça la force. Ma femme m'a porté trois. Le premier, les deuxièmes et les troisièmes. Et c'est juste le commencement. Je ne dirai rien de plus. Que puis-je dire de plus? Je ne rentrerai pas. Je sais. Je vais rester ici. Tu as raison. Parce que ça, ce n'est pas une blague. Oui. Ça, c'est très, 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 très mal. Je veux dire, c'est vraiment très, très mal. Oui. Imagine ce que notre frère fait dans ce village. Oui, il a une tendance compliquée. Très mal. Tu sais, le garçon qui m'a insulté au bar, il a de la chance. J'allais le frapper, je le jure. Ça allait être très, très, très mal. Imagine que tu lui avais lancé la bouteille et qu'il soit mort après ça. Ça allait être fini pour toi. Tout ton espoir d'être roi un jour allait prendre fin. Parce qu'un meurtrier ne peut pas être couronné roi. Donc pour toi, cela allait être très mal. Tu as raison. Comme je viens de m'en souvenir, je vais juste chercher à l'éloigner de moi. Juste ça. Mieux. Seulement ça. Tu as raison. Sinon, papa... Dans ce cas, tu as vraiment, vraiment raison. Papa, j'ai appris ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as essayé de le tuer parce qu'il t'a dit la vérité. C'est correct. Oui. C'est totalement correct. Comment est-ce correct? Je veux dire, tu as raison et il a tort.
J'essaie de me défendre par quelqu'un qui m'a insulté. Oui, tu as raison. Je ne vais pas me laisser intimider comme ça par mon fils. Exactement. Il s'est mis là en train de me critiquer dans ma propre maison, même chez moi. Exactement. Papa, je ne supporte aucune méchanceté. Je ne vais pas te soutenir. Tu ne veux pas me soutenir. Et là, tu le dis à tout le monde, soutiens-moi derrière, mais battez-nous à la maison. Oui, c'est totalement correct. Les gens te disent uniquement que la vérité. Exactement. Ah, je ne veux plus qu'on entre là-dedans. Je suis fatigué. Hein? J'ai assez réfléchi comme ça. Entre là-bas. J'ai dit entre dans la maison. Entre là-bas, n'importe quoi. Je ne comprends pas quel genre de fils ça. Il ne peut même pas me défendre, même pas dehors. C'est quel genre de fils il est? Je vais le tuer, moi. Tu auras vraiment tort de faire ça. Parce que si seulement tu le détruis, tu n'auras plus de fils. Et si tu n'as plus de fils, tu n'auras plus besoin d'être roi. Parce qu'un homme qui est sans fils ne peut pas devenir roi ici. Et alors là, tu auras vraiment, vraiment tort. Tu as déjà oublié ça. Je crois pour la première fois que tu as raison. J'ai vraiment raison. Tu as raison. Cela veut dire que ton fils aussi a raison. Donc toi, tu as tort. Et moi, j'ai raison. Hé. Hey. J'entre avec une voiture. Réveille-toi. Est-ce que tu es ivre? Lève-toi. Allez, debout. Non. Allez, es-tu ivre? Non. Dis-moi, es-tu ivre? Juste un peu. Juste un peu? Tu en veux encore plus? Oui. Ah. De la légonzage. Le représentant des dieux, le seul qui contrôle ces royaumes, tu connais toutes choses, même ce qui ne s'est pas encore passé. J'ai un problème. Je dois avoir le trône qu'il m'est refusé. C'est un trône de famille. Nous devons représenter quelqu'un pour prendre le trône. Jusque-là, on ne l'a pas encore fait. Mais mon frère ne veut pas être un roi. À cause de notre tradition, il n'a pas d'enfant. Je dois être le roi parce que j'ai un fils. Mais mon frère ne le veut pas. Qui est méchant et jaloux. Il refuse toujours. Il ne veut pas me présenter au conseil des anciens pour que je sois couronné en tant que représentant de la famille. Afin que je prenne le trône. Je suis venu parce que je sais que tu vas faire quelque chose. Parce que tu as la réponse aux prières. Les dieux d'Adjara sont ici. Adjara parle à tes dieux pour qu'ils répondent à mes prières. Accepte ma demande. Accepte-la. Tu es venu au bon endroit. Amobi. Adjara. Maintenant, dis-moi exactement ce que tu veux que Adjara fasse pour toi. Adjara, si ce n'était pas la bonne place, je n'allais pas venir. J'ai vu le dieu de la mer. J'ai vu le dieu de l'océan. J'ai vu le dieu de la terre. J'ai visité des dieux de partout dans le monde. Alors aucun n'a relevé le défi. Je suis venu chez Adjara. Tu es le seul à qui les dieux répondent. Adjara, je veux que tu coopères avec mon frère. Convainc-le de m'accompagner, me présenter comme le seul de la famille pour que je sois le roi. Il faut que je sois couronné et devenir le roi. Adjara, c'est ça ma prière aujourd'hui. Demande au Dieu de répondre à ma requête. Adjara, parle au Dieu qu'il me réponde. Fais-le pour moi.
Ogemwizi. Afa. Amobi. Adjara. Ce que tu as demandé ici peut être fait. Adjala les grands. Je savais qu'au moment où je mettrais mes pieds ici, ma requête sera entendue. Merci Azara. Je suis content de ce que tu as fait. Adjala, merci. Maintenant, tu vas m'apporter du sang très chaud de quelqu'un de ta famille. Soit pour ta femme, ta fille, ou un autre proche parent, ta tante ou ta nièce, quelqu'un de la famille seulement. C'est alors que je pourrais préparer un charme spécial pour toi. Adjara, je vais le faire. J'ai vu les oracles. J'ai vu les tempêtes. J'ai vu toutes sortes d'esprits d'en haut et d'en bas. Ils demandent le sang des enfants. Je suis tellement tenace comme tu me vois. Je vais supporter. Je vais tenir debout. Je vais me battre. Ils ont demandé toutes sortes de choses. Mais pourquoi le sang des règles qui n'ont même pas d'importance et de sang? Est-ce que c'est ce que le Dieu demande vraiment? Hein? Même si c'est seulement une petite quantité de sang que tu peux trouver, c'est tout ce qui t'a été demandé. C'est alors que je peux faire ce que tu veux. Jésus. Papa. Papa, réveille-toi. Oh mon Dieu. Réveille-toi, papa. Ma chérie, je sais que tu es dans la période des menstrues. En ce moment, as-tu vu tes règles? Oui. Je me rappelle la dernière fois, tu avais jeté des lingettes un peu partout. Et je veux que ne les jette pas n'importe où ou n'importe comment. Maintenant, tu vas me les donner. C'est là. Je m'en suis déjà débarrassée. Tu t'en es débarrassée encore là-bas, là où j'étais interdit? Ah, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que je t'ai dit, hein?
Il n'est pas les mettre partout. Que je m'en suis débarrassée. Et où est-ce que tu as mis ça dans ce cas? Je ne te les dirai pas. Tu ne me diras pas là où tu les as mis. Pourtant, je t'avais dit que je peux mettre ça n'importe où. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle t'a dit qu'elle s'en est débarrassée déjà. Hein? Et tu insistes de savoir où elle les a mis. Hein? Est-ce que tout ça là, ça te concerne même? Démontre-lui. Elle ne peut pas le mettre en public parce qu'elle le jette partout. La fois dernière, il avait vu ce... regarde-le. Papa, tu penses que je ne sais pas? Tu penses que je ne sais pas? Savoir quoi? Savoir quoi? Tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas ce que tu veux faire avec exactement. Mais pourquoi papa, tu parles de ça? Tu ne dis pas la vérité. Ouais, je veux juste qu'elle les mette au bon moment. Que veux-tu faire avec mes serviettes hygiéniques? Que veux-tu faire avec mes linges? Ils sont un bon endroit. Est-ce que tu as mis ça dans un bon endroit? Personne ne verra ça. Hein? Je veux que papa, tu les mettes à un bon endroit. Que veux-tu faire avec mes serviettes hygiéniques? Osinachi. Osinachi, es-tu réveillé? Est-ce que tu vas bien? Très bien. Ouvre la porte. Hein? Ok, n'as-tu pas faim? Hein? Ok, je dois sortir. Hein? Je reviens très rapidement. Ok? Ok? Merci. Désolé. Chibo. C'est un grand problème. Il y a les gonds faits sur la montagne. Oh. Oui, c'est un problème très sérieux. Ma belle-mère veut partir. Et si seulement elle part? Pourquoi? Écoute-moi. Je ne comprends pas mon père. Je ne comprends pas cet homme-là. Il change, il devient terrible. Connais-tu ce que ma belle-mère traverse? Je te l'ai dit. Mon père, je ne les crois plus. Je ne les crois plus jamais. Il a des histoires très bizarres. Oui, j'ai dit à ma belle-mère. Je lui ai demandé de s'assurer de ne pas faire un truc pareil. Désolé, arrête de mordre les doigts. C'est des femmes qui devaient faire ça et pas toi. Mais vous et moi, ces garçons, tu n'as désolé. Pas envie de faire ça. Désolé. Mais ce problème, il est vraiment sérieux. Je ne sais pas ce qu'il veut utiliser avec. Je ne sais pas s'il veut l'utiliser pour les rituels. Je ne sais même pas à quoi il pense exactement. Hey. Imagine, il a demandé ses lingettes. Attends un instant. Est-ce que ton père est un occultiste? Et tu me demandes maintenant, comment est-ce que je le saurais? Je ne suis même pas surpris. Je ne suis pas surpris du tout. Hey. Quand il lui a dit ça, il était en train de trembler comme si elle voulait mourir. Moi, je pensais qu'il blaguait.
Elle voulait faire la part, je ne sais même pas quoi. Hey, non. Chai. Bébé, je suis désolé, non. Je suis désolé. Désolé. Aussi, Natché. Aussi, qu'est-ce qu'il y a? Aussi, Natché, ce n'est pas toi. Toi, tu vas très bien. Parle-moi, non? Je ne vais pas te voir comme ça. Aussi, Natché, parle-moi. Ok, approche. Tu veux cette tête-là, je ne sais pas, parce que tu n'as jamais entendu parler des rituels. Osinati. J'ai été entendu. Ce n'est pas à propos de toi. C'est quelque chose de profond. Osinati, tu parles de quoi? Très profond. Je fais quelque chose à laquelle je ne suis pas fière. Quelque chose qui est au-delà de l'imagination. Tu parles de quoi? Osinati, tu as commis l'abomination. C'est mieux que tu m'en parles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu fait? Je ne peux te le dire. Chibo. Hein? S'il te plaît, peux-tu partir? Tu veux que je parte? Oui, s'il te plaît. J'ai besoin d'entrer à l'intérieur et rester seul pendant un moment. C'est très bien, c'est pas grave. Ok. J'espère que tu n'es pas fâché. Non, je ne suis pas en colère, juste un peu étonné. Le grand sage! Je te salue et je salue ce que tu représentes. Bienvenue encore au temple de Achala. Achala, je suis venu te voir. Est-ce que tu as mené les sangs qu'il fallait? Non, je n'en ai pas. Pour le moment, j'en ai pas. Adjala, je vais savoir que le sang de règle, le sang de sacrifice, pour le sacrifice, je vais amener le sang pour n'importe qui. Hein? C'est ça. N'importe quel sang. Amobi, pour que ton charme ait vraiment de l'effet, il t'est exigé d'avoir ce sang-là, de toi-même. Impliquer une tierce personne serait vraiment drastique. Ok. Amène-moi les sangs que je te demande. Et je vais te faire ce dont tu as besoin. Achala, la cible est dans ma maison. Est en train de s'agiter. Et c'est l'air période. Puis-je aller prendre les sangs? Amobi, ne prends pas les dieux pour acquis. C'est eux-mêmes qui ont demandé les sangs des menstrues. Les sangs des menstrues. Dis-moi, est-ce que tu l'as vu? Non. Eh oui, c'est ce que nous devons vraiment faire pour avoir ce que nous voulons. Avec cette allure, on ne nous laisse pas le temps en tout cas. Oui, le temps vraiment nous presse. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut que nous accélérions les processus. Il faut que nous allions très vite. Très vite en tout cas. Il faut que nous fassions très vite. On pouvait choisir n'importe qui de la même famille. Et c'est pour cela que je dois choisir. Non. Mais comment tu peux dire une telle chose? C'est toujours notre frère. Notre grand frère en plus. Tais-toi maintenant. Il n'arrive toujours pas à nous comprendre. C'est ça le problème. Tu es trop dur, mon je frère. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas, moi. Oh, c'est quoi tout ça? Mon frère China. Oh, bonsoir mon frère. Mes chers frères, comment allez-vous? Nous allons très 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 bien. En tout cas, ça va, nous allons très bien. Qu'est-ce que tu as dit? Très bien. Que tu vas bien? Oui. Comment peux-tu dire que tu vas bien? Tu m'inclus aussi. Tu peux dire que tu vas bien, mais pas moi. Hé, c'est quel genre de question ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Que nous allons bien? Avec ta méchanceté dans ce village. Oui, tu as vraiment raison. Nous n'allons pas bien. Mon frère, tu as tort. Nous n'allons pas bien. Nous avons dit que nous allons bien. Non, c'est faux. Nous n'allons pas bien. Nous n'allons pas bien. Que veux-tu au juste? Emmène-moi au conseil des anciens pour le couronnement. C'est simple. Oui. On sera heureux. C'est tout ce qu'on te demande. Cela, tu as raison, ne va malheureusement pas arriver. Pourquoi? En passant, Amobi,
En venant par ici, j'ai croisé ta femme sur la route. Ta femme m'a dit qu'elle était en train de quitter ton mariage. Elle est en train de partir de ta maison. Tout ça à cause de sa suspicion. Une forte suspicion. Que tu es sur le point de l'utiliser pour un rituel. Amobi, je dois te mettre en garde. Sois très prudent. Si quoi que ce soit devrait arriver à cette femme-là, sa famille te poursuivra en justice. Nous aussi, en tant que ta famille, nous en aurons aussi après toi. Tu as raison. La communauté sera sur ton cou. Exactement. La loi de ce pays, descendra sur toi. Grand frère, tu sais quoi? Plus je te regarde, plus je résiste à te haïr. Je ne vais pas te dire que je te déteste, loin de moi. J'ai une question. Tu parles de moi. Ma femme veut quitter le mariage. Quitter chez moi pour aller là où elle veut. Mais en quoi ça te concerne que ma femme veut quitter mon mariage, mon propre mariage? Il a raison. Comment? Il a vraiment raison. Oui, tu as raison. Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires avec ton mariage et laisse ma vie et mon mariage tranquille? Exactement, tu as tort. Je t'en prie, dis-lui. Au cas où il n'entend plus bien. Non, il a tort. Dis-lui. Il a vraiment raison. Ça ne te concerne pas. Il a raison. Monsieur, il a raison. Mon frère, sais-tu quelque chose sur ça? Quelque chose sur quoi? À propos de sa femme et de son accusation. Que Amobi voulait l'utiliser pour des rituels. Bah quoi? Hey, tout fier à quoi? Regarde mes mains. Mes mains sont très propres. Je ne fais jamais ce genre de choses. Tu me connais très bien, je suis innocent. Si tu entends parler de choses comme ça, en tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Je ne fais jamais de telles choses. Tu tiens à quoi? Monsieur l'innocent. Mon frère. Monsieur raison. Tu dois être très sûr de ce que tu racontes. Oui, grand frère. Parce que quand cela arrivera, tu seras également impliqué. Comment je serai impliqué quand je ne sais pas ce qui se passe? Comment je serai impliqué? Non, je ne serai pas impliqué. Non, je ne veux pas. Chibo. Osi. Osinachi. Comment vas-tu? Ah. Es-tu toujours en colère? Maman, c'est comme si elle est toujours énervée. Mais ma fille, nous sommes déjà revenus et je t'avais tout expliqué. J'ai pensé qu'en ce moment, tu aurais déjà tout oublié. Oh, écoute, j'ai été apporter beaucoup de choses. Écoute, ma sœur. J'ai beaucoup de choses à te raconter. J'ai de belles histoires à te raconter. Donne-lui ce que nous avons acheté pour elle. Je reviens. Alors, ma soeur, dis-moi, veux-tu que je commence d'abord par te raconter ou soit que je te donne tes cadeaux? Vous vous réjouissez, hein? Viens te joindre à nous. Merci, maman. Oh mon dieu! Osinachi! Osinachi! Qu'est-ce que tu as? Osinachi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Docteur, comment il va? Comment il va? Il répond très bien au traitement. Oh Seigneur, sois loué! Je ne sais pas si vous le savez, mais elle est enceinte. Ah! Hey, qu'avez-vous dit? Enceinte? Oh mon dieu! Écoutez! Nous demandons à propos de notre fille Osinachi. Docteur, il y a sûrement une erreur. Nous parlons de notre fille Osinachi. Elle est enceinte. Oh non, mon Dieu. Enceinte. Exact. As-tu entendu? Elle est enceinte. C'est bon, calme-toi maintenant. Dieu, notre fille. S'il vous plaît, madame, calmez-vous. Comment est-ce possible? Elle est vierge. Elle est enceinte de 2 mois. Deux mois?
Hey, mon Dieu. Mon Dieu, c'est pas vrai. Je suis en train de rêver. Hey, mon Dieu. Mais as-tu entendu? Elle est dans cette comme ça. Calme-toi. Mais calme-toi. As-tu entendu? Hey. Pourquoi tu restes là? Pourquoi? Tu as perdu la tête? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu deviens malade. Ne t'en fais pas. C'est un petit changement, ok? Mais rien ne va pas avec toi. Mais au moins tout s'est bien passé, hein? Ne t'en fais pas, tout ira très bien maintenant, ça va aller, ok? Approche, tu n'entreras pas dans cette maison jusqu'à ce que tu me diras qui est l'auteur de ta grossesse. Osina, tu m'as-tu entendu? Tu ne mettras pas tes pieds dans cette maison si tu ne me parles pas de la personne qui t'a rendu enceinte. M'as-tu entendu? Obiageli, calme-toi, je t'en prie. Hein? Tu sais ce que le docteur a dit. Hein? D'ailleurs, cette fille revient juste de l'hôpital. Hein? Le docteur a dit qu'elle n'a pas besoin d'un quelconque stress. Qu'elle a besoin d'un complet repos. Dans ce cas, laisse-la aller se reposer à la maison de la personne qui l'a engrossée. Tu ne connaîtras pas de paix dans cette maison. Si tu connais la personne qui t'a engrossée, va chez lui pour que tu puisses enfin te reposer. Pas chez moi. Tout ce que tu as trouvé de mieux, c'est tomber enceinte. Tu n'auras pas de paix chez moi. Va-t'en. Quelle bêtise. Tu es toujours là? Tu ne m'as pas entendu? Dégage. Attends. Quoi? Ok, tu connais la personne qui l'a engrossée, tu ne m'as pas dit. C'est ça? Tu connais l'auteur de sa grossesse. Si tu connais cette personne, va le voir. Et kiffe ma parcelle. Tu m'as entendu? Obiageli, j'ai vraiment honte de toi. Désolés. Tu n'entreras pas ici. Nous sommes désolés. Je suis responsable de sa grossesse. Exact. Je le suis. Chino t'a fait quoi? Oh mon Dieu, tu m'as c'est tué. Moi qui l'ai tu m'as tué. C'est moi qui l'ai enceinte. Oh mon Dieu. Si tu m'as tué. Tu m'as tué. C'est quoi ici? Ça va venir. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, il t'a frappé? Que s'est-il passé? Il a frappé sa propre fille. Oh. Hey, Wele. Hey. Je le savais. Ah, mon Dieu. Je suis très triste. Ah, mon Dieu. Hey, mon Dieu. Oh, Seigneur, tu es une idiote. Calme-toi. Laisse-la. Ne me touche pas. Elle n'entrera pas. Laisse-la. Elle n'entrera pas dans ma maison. Je ne la laisserai pas entrer. Laisse-la. Toi. Hey, tu ne veux dire non, elle reste quand même ta fille, s'il te plaît, alors tu laisse-la, tu n'entreras pas. Arrête ça. Merci. Oui, qui est-ce? Tu es encore là. Merci, Seigneur, on te trouve. Oui, d'accord, soyez les bienvenus. Abomination. Vous êtes arrivés au moment. Non. Il y a eu une abomination dans notre communauté. Oui, dans notre village. Abomination. C'est grave, très grave. Hey. Que s'est-il passé au juste? Notre frère, Chimoro, a fait vraiment une abomination. Une abomination très grave. Si tu apprenais ce qu'il a fait. Hey. Une abomination qui mérite de l'excommunier de ce village. Dites-moi vite, qu'a-t-il fait au juste? Attends. Si tu apprends ce que notre frère a fait. Hey, oh non. Dis-lui. Qu'y a-t-il au juste? Dis-lui. Oh non. Oui. Notre frère a engrossé sa propre fille. Hey, c'est la mère de tous les crimes. Faut les bannir. C'est vraiment très grave. Faut les bannir. Il faut l'enterrer vivant au Nauru. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Hey.
Sa propre fille. Hey. Vraiment. On n'a même pas besoin de lui dans ses villages. On n'a pas besoin de lui. En tout cas, c'est inconcevable. C'est toi la première personne que nous avons informée. Il l'a fait. Vraiment. Baissez d'un ton. Dans le secret, il faut le bannir. Bannissement. Ma sœur, j'ai appris ce qui s'est passé. C'est pour ça que tu étais silencieuse tous ces temps. Allez, viens. Viens. Dis-le à Lubok. Oh non. J'ai entendu quelque chose qui a percé mes oreilles. J'ai décidé de l'entendre de toi d'abord. Ah ah. Parle, non. Parle, tu n'y arrives pas. Monsieur le violeur. Parle. Tu ne fais que violer, violer dans cette communauté. Tu fais vraiment la honte de notre famille. Hein? Ma seule inquiétude, c'est l'image de notre décente famille. Il n'a plus le droit du trône. Une famille royale, homme. Très réputée. Peux-tu imaginer, monsieur Royal? Royal? Dis-nous, non? Parle, c'est le moment. Tu fais que mentir, mentir. Nous t'écoutons, dis les mensonges. Réponds, réponds, réponds à la question. D'abord, laisse-moi te remercier pour m'avoir appelé. M'avoir donné cette opportunité. La vérité, c'est que oui, il y a quelqu'un d'enceinte dans ma maison. Ah, mais je n'ai pas commis une quelconque abomination. Voilà, c'est ce que je disais. Tu mens. Quelqu'un de ta maison. Ta fille. De la maison. C'est uniquement ta fille. Quelqu'un de ta famille. Qui encore? Ta fille. Tu as engrossé ta fille. De qui tu es en train de nous parler là? Ok, quelqu'un de ma famille. Mais c'est ta fille. C'est ta fille qui est enceinte. Hein? Explique-nous. Je ne sais pas dire ça. Dis la vérité ici. Je vous en prie, pouvez-vous d'abord le laisser terminer? S'il te plaît. Parle. Amour. Arrête de me regarder. Réponds à la question. Quelqu'un d'autre, si ce n'est que ta fille. Il parle nous de savons quelqu'un. Très bien que dans ta famille, il n'y a que ta fille. Oui. Parle-nous la vérité. Arrête de nous mentir. Arrête de mentir. Amobi, sache que c'est ta propre bouche là qui peut t'emmener à ta propre perte. Qui dans ta famille as-tu engrossé exactement? Bonne question, réponds maintenant. Agis comme un homme. Raconte-nous des mensonges comme tu as l'habitude de mentir. Parle, on t'écoute. Oh non. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Ah oui, ça nous le savons déjà. Et pour être franc, j'ai terriblement honte de moi-même. Tu dois avoir honte. Tu parles maintenant. Mais je n'ai pas commis une abomination. C'est pardon? C'est ce que tu dis? Tu es devant Ono. Dis-nous si tu n'as pas commis l'abomination. Explique-nous devant il parle, Ono. Hein? Qu'est-ce qu'il veut tromper ici? À qui tu veux décevoir? Qui a commis l'abomination? Ah qui oui, réponds. Qui a commis l'abomination? Qui a enceinté sa propre fille? Si ce n'est pas toi, c'est toi? Est-ce moi? Est-ce que c'est moi? C'est Ono. Alors qui? Pourquoi ne le laissez-vous pas finir? Laissez-le finir sa réaction à ma question. Tout le monde sait très bien que je n'ai qu'une seule fille biologique. Son nom est Amarati. Et Amarati n'est pas du tout enceinte. Donc, Osinati n'est plus ta fille, c'est ça? Tu veux la renier? Tu veux la renier qu'elle n'est plus ta fille? Hein? Dis-le, nous, on va entendre cela. Ce n'est plus ta fille. C'est ce que tu as dit? Nous savons tous qu'elle est ta fille. Un instant. Qui donc est enceinte dans ta famille, pour toi, Osinachi? Oh,
Oh non, Osinachi n'est pas ma fille biologique. Hey, tu es son père et elle est ta fille. Elle t'appelle papa et toi tu l'appelles ma fille. Alors papa a enceinté sa fille et sa fille a la grossesse de son père. Hein? Et là, elle tu dis que non, fille. C'est pas ta fille. Tu es en train de commettre l'abomination. La meilleure amie de ma femme dans son village avait donné naissance. Très peu après avoir donné naissance, elle mourut. Avant qu'elle ne meure, elle avait déjà remis la petite fille Osinachi à ma femme. Tu mens. Oui. Tu mens. Exactement. Nous connaissons l'histoire. Nous la connaissons. Tout ça était pour toi. Oui. C'était pour toi et non ta femme. Exactement. Ce n'est pas pour ta femme. Arrête de mentir. Puisqu'elle avait remis la petite fille à ma femme, exact. Elle l'avait également remise à moi. Tu vois, il commence maintenant à nous embrouiller. Voilà les mensonges. Tu vois? Voilà ce qu'il raconte. Tu vois? Il ne fait que mentir. C'est ça sa vie. Hein? Peut-on imaginer? Exact. Ma femme et moi formons une personne. Peu importe. Cette fille qui avait été remise à ma femme, je l'avais accueillie et l'avais apportée dans ma maison. Et nous étions en train de vivre avec elle comme une famille. Et elle a commencé à m'appeler papa. Et j'ai commencé également à l'appeler ma fille. Osinachi est bel et bien enceinte. Mais elle n'est pas du tout ma fille biologique. Les bébés m'appellent T'appelles papa. Et ce, et n'est, toi, pas ma ce fille n'est pas ma fille biologique. Et tu es avec elle comme c'est pas comme ça. Ta fille. Directement, elle t'appelle père. Alors qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tout prouve vraiment qu'elle est ta c'est ta fille. Fille. Tout cela, tu cherches juste à nous prouver que tu fais l'abomination. Tu sais quoi? Notre Onoo est vraiment très sage. Et je sais que c'est la sagesse qui nous amène à trouver la vérité. Tu ne peux pas nous mentir comme ça. Il ne peut pas tous nous tromper. Cette fille en question, quel âge a-t-elle? Cette fille dont nous parlons ici même, quel âge a-t-elle? Osinachi aura 22 ans dans 2 mois exactement. Je vois. Bien. Je vous ai entendu. Et je veux dire qu'aussi longtemps que la tradition est concernée, il n'y a aucune abomination commise. Hein? Et c'est quoi, ça? Onoo, c'est pas ça. Hein? Onoo, il est en train de mentir. Il a juste commis l'adultère. Abomination. Dans cette communauté. Onoo, compte tenu de notre tradition. Quelqu'un qui a commis l'abomination ne peut pas rester dans cette communauté. C'est l'abomination. Vous faites qui l'abomination? Tu as commis l'abomination. Oui. Onoo aussi, il est en train d'appuyer l'abomination. C'est très mal. Non, c'est vraiment très mal. Inacceptable cette histoire. C'est pas inacceptable. Du pas du tout. Non, on ne peut pas accepter ça. Il non, doit personne. Être excommunié du nous village. Nous n'allons plus nous taire comme ça. Et qui a commis l'abomination? Onoo aussi a commis l'abomination. Alors lui et Onoo sont une bande d'abominations. Aussi, écoute, aussi longtemps qu'ils s'appellent papa et ma fille, c'est déjà une abomination. Ils sont tous unis, ils ont créé l'abomination. Abomination. Mon frère. Arrête ça, non. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas y croire. Sais-tu qu'elle est tout puissant? Notre très cher tonton exemplaire a engrossé sa propre fille. Arrête de blaguer, je ne suis pas des mères. Dis-moi, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Je savais qu'un jour Dieu finira par répondre à mes prières. Quoi? Mais pourquoi?
Obi. Qu'est-ce que tu veux? Obi, nous devons parler. Nous n'avons rien à se dire. Oh, voyons. Écoute, Obi. Est-ce que tu attends quelqu'un à Moby? Oui, je te cherche en ce moment. Tu m'entendais? Oui. J'espère que tout va bien. Je sais que tu es très déçu à propos de ce que ton mari a fait. C'est vraiment une honte. C'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Mais le problème qui me dérange souvent, la façon dont il a humilié notre famille, notre communauté a été humiliée. Nous devons trouver une solution pour arrêter ce genre de choses, pour qu'il n'y ait pas de choses comme ça à la longue, voilà. Quand tu dis trouver une solution, ça veut dire quoi? Parce que je ne comprends rien. J'ai la solution. Attends. Qu'est-ce que c'est? Réactif. Pourquoi? Ça a pour but de renforcer la force des trompes pour que tu mettes au monde encore. Tu seras enceinte dans peu de jours avec ces médicaments. Applique-les. Hein? Oui. Tu veux dire? Il faut que tu avec cette chose, la grossesse va partir. Exactement. Ça va tuer les bébés. Il n'y aura plus rien. On ne parle pas de tuer, on parle de fonctionnement. C'est vraiment efficace. C'est tellement actif, trop efficace. Si tu ne veux pas de cette grossesse, alors pourquoi la garder? Il faut l'enlever. Prends. Je ne tuerai personne. Et je ne vais pas être impliquée dans une affaire qui ôtera la vie de quelqu'un. Il est vrai que je ne suis pas contente du fait qu'elle est tombée enceinte de mon mari. Mais tel que je suis là, je n'arrêterai pas. Je ne mettrai pas fin à la vie de ces petits bébés. Ne m'implique pas là-dedans. Tu ne comprends pas. C'est tellement honte. C'est honteux. Pour toi et pour nous, même pour tout le monde. C'est tellement grand. Il faut que tu enlèves cela. C'est quoi les rapports entre le fait de tuer ces bébés et la honte? Qu'est-ce que tu cela va changer? Je ne comprends pas. C'est une grossesse non désirée. Elle ne peut pas la garder. Bah. Écoute, je ne vais pas salir mes mains. Ok? Laisse tes bébés tranquilles dans le ventre. Je ne vais pas. Tu sais quoi, Amobi? Si quelque chose arrive à ces bébés, je te tiendrai pour responsable. Tu as dit? Je t'ai dit au nom des dieux. Amobi, si quelque chose arrive à Osinachi, je citerai ton nom, que ce soit devant les dieux ou devant les oracles. Je n'arrêterai pas de dire que c'est toi le responsable. Si quelque chose arrive à Osinachi, Chineke, ah Dieu, je citerai ton nom et tu dois accepter. Attends. Ne me demande pas d'attendre. Ne me touche pas. Je ne veux pas que tu m'impliques dans une affaire de meurtre. Ne compte pas sur moi. Je ne le ferai pas. Mais... As-tu pris ton bain? Pourquoi? Rien du tout. Lève-toi rapidement et va prendre un bain. Tu dois t'élever et aller te laver. Ta défunte mère m'a fait faire une promesse. J'ai fait promesse à une femme mourante sur son lit de prendre soin de toi et de faire de toi ma fille aînée. J'ai toutes les raisons du monde de te haïr. J'ai toutes les raisons pour ne plus te parler. Je t'ai donné le nom d'Osinachi. Tu m'as déçu. Juste parce que j'avais fait la promesse à ta mère de prendre soin de toi. Voilà pourquoi je ne peux te haïr.
Lève-toi et va te laver. Lève-toi. Ono. Oui. Je vis en paix. Alors sois le bienvenu. En quoi puis-je t'aider? Oui, j'ai une proposition pour toi. Proposition, tu as dit quelle proposition? Bien. Ono, je veux que tu réunisses tous les anciens. Je vais tous les convaincre. Pour qu'ils déclarent que mon frère a commis une abomination et qu'il n'a plus le droit de décider. Qu'il puisse être banni. Et si tu le fais, je t'en serai reconnaissant. Vraiment reconnaissant. Ono, fais-le pour moi. Je vais te surprendre. Je ne suis pas intéressé à un quelconque présent que tu aurais pour moi. Peut-être devrais-je te prévenir que c'est une abomination à quiconque de faire une telle chose, car c'est un sacrilège et un qui ne soit pas pardonnable. Alors je suis en dehors de ça. Je ne suis pas intéressé. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Écoute, tu ne peux pas le convaincre de faire de moi un roi. Mais pour devenir Igwe, écoute, Ono, tout ce que tu voudras, je vais te les donner. Toute la terre du côté Imizoé, je suis prêt à tout te les donner. Si tu les convaincs seulement. Bien, j'ai une réponse directe pour toi. Un homme qui tue son propre frère ne peut jamais devenir un chef. Et pour ce, je ne suis pas intéressé. Tu ne peux pas me corrompre, tu ne peux pas m'avoir. Je ne suis pas intéressé. Oh non, écoute, écoute-moi. Je ne peux pas travailler et je n'ai aucun travail à faire. Tout ce que je veux, c'est d'être un roi. Est-ce que tu comprends? Je te donne ma parole d'honneur et je te fais une promesse aujourd'hui. Et si tu fais de moi un roi, tout ce que tu voudras, je te donnerai. Toute la terre des alentours, tout ça là, je te donnerai. En fait, même tous ces trois villages, prends-les. Rends-moi juste la vie facile. C'est tout ce que je demande. Mais malheureusement, Ono à qui tu parles est un homme d'intégrité. J'ai une réputation et toute une lignée derrière moi. Et je vais te dire ceci. C'est un rêve que tu n'arrête pas d'avoir qui ne va jamais se réaliser. Alors je t'en prie, ce genre d'offre n'est pas du tout pour moi. Peut-être qu'à ce niveau, je pourrais profiter pour te dire, si tu réussissais ou réussis à vendre ton frère, le vendeur ou quiconque achètera venant de toi n'aura jamais cette considération d'acheter de toi. Oh non, oublie ça, regarde. C'est une affaire entre toi et moi. Tu me crois, tu te crois. Faisons ces affaires. Le truc, c'est que je ne suis pas intéressé. Ça ne sert à rien d'insister. Arrête. Ça ne sert à rien de continuer. Je suis un homme d'intégrité, tu devrais le savoir. Je ne sais pas pourquoi tu veux rendre juste les choses très difficiles. Et pourtant, c'est très simple. C'est une affaire de gagnant-gagnant. Je gagne et toi, tu gagnes. Tu veux toujours rendre les choses très difficiles. Je t'en prie, quitte ma maison maintenant. Va-t'en rapidement. Tu dis... Sors tout de suite de ma maison pendant que je suis encore de bonne humeur. Ono, essayons de nous faire comprendre. Olasi. 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 Je suis encore revenu vers toi. Tous mes ancêtres. Sans vous. Mes ancêtres, je suis encore revenu avec ma requête. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je suis venu te dire ceci. Et tu connais très bien ma requête. De la même manière que tu avais fait à mon père, c'est de la même manière que tu agiras aujourd'hui. Et pour toujours, je suis venu. Prends la boisson. Prends la boisson. Prends la boisson. Le grand de tous les grands, c'est lui qui répond à toutes nos requêtes. Réveille-toi, agis, c'est le moment. J'ai juste une requête.
la requête qui me dérange autant. Quelque chose qui me trouble. Quelque chose qui me donne des cauchemars. Et je n'arrive plus à me reposer pour un long moment. Et je suis venu avec Olas, Osinachi, et enceinte de mon frère. Tu connais toi-même. Je suis venu en ce moment pour te demander d'enlever cette grossesse. Que ça ne puisse pas être un homme. Il faut que ce soit une fille. Et si c'est une fille, je serai le seul candidat. C'est ça ma requête. Voici la boisson. Prends la boisson. Prends la boisson. Si tu fais ça pour moi, je reviendrai ici. Olasi, je vais prendre soin de toi. Je vais m'en occuper de toi. Je vais te tailler parfaitement. Je vais tout arranger. Fais-le pour moi. Tu ne seras jamais déçu. C'est tout ce que je te demande. Parmi toutes les filles de cette famille, parmi toutes les filles de ces royaumes, tu n'as trouvé personne parmi elles. C'est seulement cette fille qui t'appelle papa. La fille que tu appelles ta propre fille, c'est elle que tu as déflorée. Comment serais-je certaine que notre fille biologique est en sécurité avec toi? Je prends la pleine responsabilité de tout ce que j'ai fait. Oui, j'étais sous l'influence de l'alcool. Mais je n'ai pas donné d'excuses ou quoi que ce soit d'autre. Et je n'ai pas mis cela sur la tête de quiconque. Je porterai toutes les conséquences qui s'en suivront. Ceci est la dernière des idées que je n'aurais pu avoir de ma vie entière. J'irai l'enregistrer demain à l'hôpital pour qu'elle soit suivie par le médecin. Merci. Ne me remercie pas. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour cette pauvre innocente fille. Je le fais pour sa mère. Je ne suis pas une bête comme toi. Ah, mon frère. Est-ce que tu sais que c'est vin de palme que je suis en train de prendre comme ça? C'est même une viande au bar à côté. En tout cas, moi, je n'aime pas comme ça. La dernière fois que j'étais venu ici, quand ta femme était encore là, on buvait avec d'autres choses à côté. Est-ce que cela veut dire qu'elle ne va pas revenir ici? J'ai vraiment senti son absence à cause de quelque chose qui est vraiment très important. Donc tu te rappelles d'elle à cause de la boisson? Exactement. Mon cher, laisse tomber. Oublie-la, pense à autre chose. Je dois réfléchir sur ma vie. Tu veux dire qu'elle doit rester là-bas? Non, c'est bien pour moi. Cela veut dire qu'on ne va plus manger le oba et les autres choses là. C'est la vie. Je ne paie rien pour ça. On doit maintenant tourner la page. Bon, si tu le dis. Une autre chose, mon frère. Est-ce que tu essayais vraiment de l'utiliser pour tes rituels là? Je veux vraiment savoir. Mon frère, dis-moi. J'ai l'air d'un ritualiste. Ou bien tu me connais comme un ritualiste. Je n'ai jamais changé et je n'ai jamais tué quelqu'un. Mais mon frère, tu vois, la question que tu me poses là, me rend vraiment un peu confus. Tu vois, parce que beaucoup de gens disent que tu es un ritualiste, que tu es très mauvais. Mais tu vois, quand les gens sont en train de dire comme ça, je suis un peu confus. Je ne sais plus qui a raison, qui n'a pas raison. Hein? Je suis un peu confus. Mon frère, c'est quoi le problème avec moi? C'est comme ça que tu te comportes comme ça. Et tu te mets à m'insulter.
parce que tu ne connais pas qui a tort ou qui a raison. Exactement. Tu ne connais pas lesquels de frères il faut partir. C'est bien pour un homme d'organiser sa tête et bien réfléchir sur sa vie pour trouver une solution. Mais c'est la politique. Et dans la politique, chacun peut faire de n'importe quoi. Tu as raison. Je vais être le roi pour mon peuple. Certaines personnes m'aiment et certaines ne m'aiment pas. Les gens qui m'aiment parlent bien avec moi. Et ceux qui ne m'aiment pas ne parlent pas en bien. Tu as vraiment raison. C'est ça. Ils ont tous tort. Toi, tu as raison. En tout cas, tu as vraiment raison. C'est ça la vie. Papa! Ah! Papa! Ah! Qu'est-ce qui t'amène si vite ici comme ça? Non, papa, j'ai une bonne nouvelle. Ousina a mis au monde. Hey! Ça mérite une célébration, mon frère, n'est-ce pas? Quelle sorte d'enfant? C'est une fille. Une fille. Ah! Nous devons célébrer. Nous devons vraiment célébrer. C'est une bonne nouvelle. Non, mon frère, tu sais, tu avais déjà dit qu'elle donnerait naissance à une petite fille. Mais comment se fait-il que tu aies bien eu raison comme ça? Comment? Je vais aller dans sa maison, chez elle là-bas. Je vais leur donner la boisson. Je vais collecter beaucoup de choses. Je vais leur donner tout ce qu'ils auront besoin. Vraiment tout. Tu as vraiment raison. Ils ont tort, tu as raison. Une nouvelle encore, papa. C'est du mensonge. Je viens de te mentir. Il a mis au monde un jeune garçon. Hein? Un mignon bébé. Es-tu sérieux? Es-tu correct? Ce qu'il dit est vrai, toi tu as tort. Hey. Mon cher ami. Ah, Onowu. Onowu, bonjour à toi. Dis-moi, comment vas-tu? Mon cher ami. Oui. Assieds-toi, il y a de la noix de cola. Hey, mon Dieu. Mon Dieu. Ah, bienvenue. Onowu. Ah. Sens-toi à l'aise. Je suis ici pour te dire que j'ai maintenant un enfant garçon. Hein? Exact. Ne dis pas ça. Exact. Hey! Exact. Félicitations. Exact. Tu peux le dire. Ah! Oh, Choco. Quelle bonne nouvelle, oh. Oh, Choco, Meli. Hey! Hey! Califoma. Très heureux pour toi. Hey! Franchement. Quelle bonne nouvelle. Oui. Je suis également venu t'informer que je suis prêt de me présenter devant le conseil des anciens. Exact. Exact. Je veux également t'annoncer à toi que je suis prêt pour la confirmation. En tant que roi, la royauté. Eh bien, rien n'est encore perdu. Félicitations. Merci. Ah, merci. Dans ce cas, merci. Allons donc ensemble là-bas au palais. Parce que je suis attendu pour une réunion. Une fois arrivé là-bas, je présenterai ton cas formellement et officiellement. Sans aucun problème. Allons-y. Sans aucun problème. As-tu quelque chose contre ça? Allons-y. N'est-ce pas que la patience paye toujours? Elle paye toujours. Un homme sage n'agit jamais directement le moment opportun. Aïe aïe. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Qui donc habite dans cette maison? Hein? Ah, papa. J'apporte des bonnes nouvelles. Quelle bonne nouvelle? C'est quoi cette bonne nouvelle, bonne papa? Bonne nouvelle. Parlez-nous. Ah, qu'est-ce que c'est? Le conseil des anciens a accepté et a approuvé ma nomination en tant le prochain Igwe, le prochain roi de notre communauté. Hey, hey. Exact. Hey, Namo. Hey. Félicitations. Igwe. Papa. Félicitations, papa. Merci. Wow. Donc, très bientôt, je deviendrai la reine du royaume. Hein? Et moi, je vais commencer à m'habiller comme la princesse Amarachi. Regarde-toi. Et Osinachi va commencer à s'habiller comme la princesse Osinachi. Mais nous parlons de la position et pas de l'habillement. Igwe. Hey, mon mari, félicitations.
Dieu merci. Ah, au moins, nous devons fêter ça. Tout est bien qui finit bien. Oui, c'est ça. Oh, c'est fini pour nous. Quelle journée merveilleuse. Ah. Mon frère Omobi, viens te réjouir avec moi. Je suis très heureux. Je suis vraiment dans la joie. Tu sais quoi? Ce que je veux maintenant, c'est aller prendre un peu de vin de palme avec le roi. Allons boire à la maison, les bonnes choses sont arrivées. Et tu viens d'où d'ailleurs? Ah, je viens tout droit de la maison de notre grand frère. Je suis allé le féliciter. Parce qu'il a mis au monde un homme. Hein? C'est la seule personne qui a mis au monde un enfant masculin dans ce village. Tu as tort, oh. Tu as vraiment, vraiment, vraiment tort. Il ne s'agit pas seulement des petits garçons. Je suis aussi allé le féliciter parce que le conseil des anciens l'a accepté sa nomination comme notre prochain roi. Au fait, on a même déjà fixé la date du couronnement. Je suis très heureux. Je suis vraiment, vraiment dans la joie. Sais-tu que tu es bête? Comment? Sais-tu vraiment que tu es fou? Tu as tort. Donc, tu diriges juste pour ça et tu es excité. As-tu pensé à moi? As-tu pensé à moi ce qui m'est arrivé? Hein? Mais mon frère, tu es toujours notre frère. Je pense qu'on devrait célébrer. Arrête de parler. Ne me dis plus du n'importe quoi. Hein? Tu as tort. Non, tu as tort. Tu as tort. Nous avons raison. Tu as tort. J'ai dit que tu as tort. Tu as vraiment, vraiment, vraiment tort. Tu as tort. Non, nous avons raison. Tu as tort. Tu as tort. Tu as tort. Non, ce n'est pas vrai. Il a tort. Nous avons raison. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.